beaucoup de cette invitation dans ma ville, Marseille, où je, voilà, où je n'ai pas si souvent l'occasion d'intervenir. Et donc ça fait un double plaisir parce que Marseille est une ville, ou enfin, en tout cas est dans une région très exposée au feu. Et d'autre part, c'est toujours bien, notamment par souci écologique, mais aussi par souci existentiel, d'intervenir à moi à ce point. Attendez, parce que là, je vois. Voilà, d'être utilisée sur place. D'autant qu'il y a quand même une grande partie dans mon travail qui milite en faveur d'une relocalisation de nos activités. Enfin, relocalisation qui ne signifie pas renfermement sur soi, mais vraiment le fait de démarrer dans le local, et je vous montrerai que c'est d'ailleurs une bonne solution pour lutter contre les feux. Et alors, en fait, c'est cette affaire de feu, mais comment dire, d'une certaine façon, est arrivée négativement à mon esprit par l'intermédiaire d'une expérience qui est la mienne. Lorsque je me suis retrouvée dans une forêt que je connais très bien, où je vais tous les ans, celle du Cap Bénat dans le Var, où le feu venait de passer, c'était en août 2017. C'était en août 2017. Il y avait déjà eu des feux assez terribles, il y en a toujours eu dans la région, et il y en a de plus en plus. Mais ce feu était, disons la première expérience en fait que je faisais en quelque sorte en direct. Je n'étais pas là au moment où le feu est passé. Mais en revanche, je suis arrivée 2 jours après. La maison des amis où je vais régulièrement a été sauvée, ce qu'ils ne savaient pas. J'ai aussi, pendant que le feu passait, été en ligne avec eux au téléphone. Et ils ont témoigné de leur détresse, de leur frayeur, de leur terreur même, c'est le mot qu'il faut utiliser. Ils ont dû évacuer la maison dans la nuit. Ils ont été hébergés à Bormes-les-Mimosas. Ils savaient pas, ils n'étaient pas tous ensemble. Il y avait des gens un peu dispersés, donc ils se demandaient qui étaient devenus les uns et les autres. Et puis finalement, ils n'ont pas pu revenir le lendemain, donc on ne savait pas dans quel état serait la maison, si l'on resterait quelque chose ou pas. Bon, finalement, la maison a été sauvée, mais les feux ont été jusqu'à la plage. Ils ont brûlé la plage. Je veux dire, c'est un problème que les Espagnols et les Portugais avaient expérimenté. C'est-à-dire beaucoup ont été tués parce qu'ils allaient vers les plages, pensant y trouver un endroit où ils seraient en sécurité. Puis en fait, pas du tout, parce que le feu, d'une certaine façon, il brûle le sable. Alors ça, c'est pour vous parler de l'intensité. En tout cas, avant de décrire ces méga-feux, je voudrais terminer pour vous décrire un peu mon point de départ. C'est-à-dire qu'en fait... ce qui m'a vraiment beaucoup frappée en tant que moi et en tant que philosophe, enfin je veux dire en tant que personne avec son histoire et en tant que philosophe, c'était ce que la disparition du paysage nous disait de notre environnement, nous disait de notre rapport à la nature, nous disait de l'intimité que nous avons avec l'ensemble des choses qui forment notre milieu. Et finalement, ce qu'est le paysage du point de vue de la disparition, de tout ce qui fait notre quotidien, de tout ce qui fait la familiarité avec les lieux, de tout ce qui fait le souvenir aussi, et en même temps de tout ce qui fait la projection dans le futur, c'est une expérience qui est extrêmement difficile. Hier soir, j'étais avec un Australien, c'était à une radio, à France Culture, et il a dit quelque chose qui m'a énormément touchée, parce qu'on parlait un peu de ça. Il a dit, parce que le journaliste lui demandait, mais vous, comment percevez-vous les feux en Australie? Et il dit, c'est toute mon enfance qui est en train de brûler. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre avec le méga-feu. Je crois que ça, c'était mon point de départ, et en même temps, je pense que c'est le bon point de départ pour changer quelque chose dans notre rapport à la nature, pour comprendre quelque chose de ce rapport, qui serait justement un vrai tremplin vers l'action, un vrai tremplin vers le changement de mentalité. On n'arrête pas de nous dire, mais que faire? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui va être un électrochoc qui va changer les gens et qui va faire naître et se développer une conscience écologique? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question, mais en tout cas, je crois que le feu, c'est d'abord une épreuve psychologique. C'est ce que dit Bachelard, d'ailleurs, dans son livre
sur la psychanalyse du feu. C'est une épreuve psychologique. Ça peut être une source de réconfort, une source de joie, une source de vie, une source de bien-être. Le foyer, hein, c'est ce feu maîtrisé qui brûle dans l'âtre et qui est nécessaire en quelque sorte à notre développement en tant qu'espèce humaine, mais qui est aussi nécessaire à la, disons, à la, au confort, au vivre ensemble. On imagine bien des gens réunis autour d'un foyer, etc., qui nous protège aussi des bêtes sauvages. Enfin, bon, on peut remonter très loin dans l'histoire. Le feu a joué un rôle fondamental et il est vraiment source de, je dirais, de vie. Et puis, il est vraiment intégré dans notre identité d'être humain. On sait aujourd'hui que, par exemple, c'est vraiment la maîtrise du feu qui a permis à l'humanité, depuis 1,6 million d'années, de faire cuire ses aliments, de mastiquer moins longuement, de dépenser moins d'énergie à mastiquer la nourriture, de libérer le cerveau, etc., etc. Bon, et puis aussi d'échapper à la maladie, de se multiplier. Bon, enfin, donc il y a toutes sortes d'ouvrages très anciens maintenant qui vous expliquent comment le feu et l'humanité sont un, hein, ils sont liés. Donc le feu, il est, voilà, on a cette expérience psychologique du feu comme faisant partie en quelque sorte de notre relation à nous-mêmes et à la nature, à notre environnement. Mais en même temps, le feu, il est aussi, il a une dimension destructrice, il est synonyme de mort, les ruines et les cendres, la destruction, c'est une arme de guerre depuis Babylone et même avant. Si vous voulez démoraliser quelqu'un, vous brûlez sa maison, vous brûlez son environnement, et c'est une forme de guerre qui est très particulière. Si vous laissez pas, il y a des guerres d'extermination des gens, qu'on appelle des génocides, des ethnocides, qu'on dirait. Mais là, quand vous brûlez l'environnement de quelqu'un, d'une certaine façon, vous démoralisez la personne parce qu'elle n'a plus rien à défendre et elle a perdu tout ce qui faisait sens à ses yeux, si vous voulez. Comme c'est dit dans la Bible, si vous voulez, le feu, ça fait que les civilisations ont travaillé pour rien. Elles ont travaillé pour du vide. Parce qu'une fois que le feu est passé, il n'y a vraiment plus rien. Si vous voulez, la dimension destructrice du feu, qui est vraiment très présente dans toutes sortes de mythes, c'est ça qu'on découvre aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que les feux, d'une certaine façon, étaient à notre merci. Ils étaient, nous les maîtrisions, ils étaient proportionnés finalement à nos usages, y compris le feu qui est en relation, si vous voulez, ou qui est sous-tendu par la combustion des matières fossiles. Donc tous ces feux dont je vous parlerai ensuite, tous ces feux anthropiques, ces feux fabriqués par l'homme en quelque sorte, nous semblaient, disons, à notre service, un peu comme toute la nature, qu'ils nous permettent de dompter en quelque sorte. Mais là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est justement réapparaître à une très grande échelle la nature profondément destructrice du feu. Le fait que ce feu que nous pensons contrôler, en réalité, se retourne contre nous. Et que ce feu, il est, il met véritablement en péril, non pas la planète Terre, hein, qui nous préexiste de 4 milliards d'années et qui a sans doute des milliards d'années devant elle. Ce n'est pas le problème pour la planète. C'est nous, nos conditions d'existence humaine sur la Terre, sur la planète Terre, si vous voulez. C'est ça qui est menacé par le feu. Nous, enfin, quand je dis nous, alors c'est un nous qui est très inclusif, c'est un nous qui inclut tout ce que nous savons de notre environnement, qui est quelque chose qui évolue tout le temps. Si vous voulez, le nous, c'est moi et mon environnement. Et évidemment, cet environnement, il se modifie au fur et à mesure que j'apprends, au fur et à mesure que les sciences progressent, au fur et à mesure que nous découvrons de nouveaux êtres, de nouvelles techniques agricoles, de nouvelles techniques forestières, etc., etc. Donc, c'est pas nous, interhumains, si vous voulez, c'est nous et notre environnement qui formons un tout. Et cet environnement qui fait partie d'un nous, si vous voulez, c'est justement ça qu'on appelle, bon, la terre des hommes, si vous voulez, nos conditions d'existence terrestre, et qui est en train de, enfin, qui est très, très fortement menacée aujourd'hui. Alors, voilà, donc c'est un point de départ, si vous voulez, c'est un point de départ parce que je pense qu'il faut, je fais pas ces conférences parce qu'elle me rapporte quoi que ce soit, d'ailleurs ça ne rapporte rien, et je ne les fais pas non plus pour m'amuser ou pour me faire connaître ou quoi que ce soit, je les fais parce que je pense qu'il y a une utilité à parler aujourd'hui, de notre relation à la nature de telle manière qu'une conscience écologique est close. Enfin, c'est un peu mon but. Et une conscience écologique, non pas militante, politique, etc., mais vraiment une conscience de ce que nous formons
avec notre nature, notre environnement, ce qu'on pourrait appeler notre paysage, nous formons une unité symbiotique en quelque sorte, insécable, inséparable, et que le défaut de nos conditions d'existence, de notre environnement, si vous voulez, le plus familier, nous impacte. Les gens qui vivent les feux, alors j'ai beaucoup consulté par exemple, des groupes de parole qui ont été montés par des victimes de Malibu et de Paradise en Californie à la suite de ces incendies terribles qui se sont produits il y a maintenant un an et demi, en novembre 2018. Et ces groupes de... Il y a 70 000 personnes qui sont en soins psychiatriques ou psychologiques aujourd'hui hein, en Californie. Il y a 700 000 personnes qui sont parties, hein, qui pensent que c'est fini pour la Californie. J'ai été aussi enquêtée un petit peu du côté d'Aubagne quand les feux sont partis. C'était aussi en 2017, à la fin de l'été 2017. Ils sont partis vers Carnoux finalement. C'est quelqu'un qui avait mis le feu. C'était un jeune qui avait mis de 14 ans, qui avait mis 7 fois le feu. Mais alors, du coup, j'ai parlé avec des gens. Ils disaient, mais on dort plus. Les enfants font des cauchemars, on peut plus être en repos, on est tout le temps sur le qui-vive. Dès qu'on entend un moteur, on sort précipitamment de la maison. Et ceux qui, et encore eux, le feu, au lieu d'aller vers Aubagne, il est parti dans l'autre sens. Donc la ville a été sauvée, enfin le lotissement, si vous voulez. Mais ceux qui ont tout perdu à Malibu, à Paradise, ils s'expriment en termes d'amputation. C'est vraiment une partie d'eux-mêmes qui est partie avec le feu. Comme le dit, c'est pas seulement leur enfance, c'est tout. Enfin, je veux dire, ils parlent d'une blessure qui cicatrisera jamais. Et ils se sentent orphelins, ils se sentent incomplets, ils se sentent perdus. Avec le passé, c'est aussi l'avenir qui s'en va. Si vous voulez. Sur quoi allez-vous vous appuyer pour faire des projets, pour vous projeter dans le futur, pour imaginer comment vous allez partager votre mémoire avec vos enfants, vos petits-enfants, si les lieux dans lesquels votre mémoire s'incarne ne sont plus là, si vous voulez. Ça pose vraiment des tas de problèmes psychologiques graves. Et j'insiste parce que, d'abord, le type de problème que ça engendre est très révélateur de ce que représente pour nous notre environnement. Et d'autre part, parce que on le voit dans la presse, ça commence un petit peu à changer. On voit que, disons, le rapport au feu est surtout quantitatif. C'est-à-dire que les comptes rendus pour exprimer la gravité du phénomène voilà, qu'on appelle désormais méga-feu, et sont souvent plutôt quantitatifs. On va vous dire qu'en Australie, c'est 20 millions aujourd'hui d'hectares qui sont partis en fumée, que c'est plus d'un milliard d'animaux qui sont morts, que 2000 personnes... attendez, c'était quoi ? Enfin, voilà, des tas de chiffres comme ça. Il y a 2000 habitations ont été détruites, 200 000 personnes ou 250 000 personnes ont été déplacées, etc. etc. Donc, on a une approche, si vous voulez, très, très quantitative. Elle est importante parce qu'il faut aussi quantifier le phénomène. Mais cette approche quantitative ne doit pas oblitérer un aspect beaucoup plus qualitatif, si vous voulez, et un aspect qui est psychologique, subjectif, et en même temps qui peut permettre justement, disons, de réaliser quelque chose des dangers qui nous guettent sur un mode de l'action et pas sur un mode du spectacle ou sur un mode de l'information, si vous voulez. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment insister. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un peu mon optique aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'une part, si vous voulez, une couverture très quantitative du méga-feu, surtout en Australie, ça on le voit bien, enfin, mais c'était le cas aussi en Amazonie, hein, on nous a parlé de feu, on parle de quantité par exemple de feu, mais c'est très compliqué. Je veux dire, le problème n'est pas la quantité de foyers, le problème c'est, disons, une autre dimension qui serait plutôt celle de l'intensité du brasier et de son étendue, et aussi de sa durée. Donc voilà, donc maintenant j'en viens à un deuxième point qui est celui de, justement, plus descriptif, qui est, finalement, quelles sont les idées qu'on peut associer à méga-feu. Alors, quand j'avais commencé ce travail, le terme de méga-feu, je l'ai rencontré dans la littérature californienne, justement, de la part d'un journaliste qui s'appelle Codas, et qui avait utilisé cette expression qui voisinait méga-fire, donc qui voisinait avec d'autres qui étaient, par exemple, un très grand feu de forêt, feu extrême, vous aviez aussi feu géant, vous avez aussi la bête, le monstre,
voilà, feu cataclysmique. Donc il y avait plein de termes comme ça qui ont émergé. Et ces termes, en fait, là, ça fait pas très longtemps, hein, ça fait 7-8 ans, mais ces termes, enfin, mégafire, c'est vraiment en 2015, en fait, donc c'est encore plus récent, le mégafeu. Mais ces termes, finalement, avaient une ambition très précise, c'était celle de, disons, d'attirer l'attention sur le fait que ces feux qui étaient en train de se produire n'était pas du tout analogue au feu qu'on connaissait dans le passé, qui avait quelque chose d'inédit. J'ai lu des descriptions d'écologues ou de forestiers, et ils disent ce sont des feux qu'on ne comprend pas, ce sont des feux dont on ne comprend pas le comportement, ce sont des feux qui sont vraiment différents d'un autre régime des feux qu'on connaissait habituellement. Alors les feux qu'on connaît, enfin les feux auxquels on était habitués, alors ça dépend un peu des régions, mais en fait ils ont quand même tous des points communs, enfin des régions de la planète. D'abord ce sont des feux naturels, il y en a très peu à l'échelle de la vie humaine, ça dépend aussi des régions. Il y a par exemple en Australie, il y a pas mal de feux qui sont dus à la foudre partant d'orages secs, hein, c'est pas toute la foudre. Donc il y a des feux naturels comme ça qui sont dus à la foudre. Il y a par exemple dans l'Oregon aussi, il y a beaucoup d'orages secs qui provoquent de la foudre qui voilà, peut enflammer une forêt desséchée. Donc ça c'est une chose. Les feux naturels, mais il y en a relativement peu. On estime aujourd'hui que 85 à 98% des départs de feu sont d'origine humaine, sont liés aux activités humaines. Alors, il y en a plein, il y a plein de... Dans l'activité humaine, on peut mettre beaucoup de choses. Il y a des activités accidentelles, il y a des activités liées à la négligence, il y a des activités criminelles, et puis il y a toutes les activités qui provoquent le réchauffement climatique et aussi responsable des feux de forêt, etc. Mais même, directement, les feux sont allumés par des gens. Alors, soit ça peut être des étincelles accidentelles, si vous voulez, ça peut être par des gens ou des activités humaines, comme par exemple les fils électriques mal entretenus, qui sont le cas de la firme de gaz et d'électricité de Californie, qui aujourd'hui connaît un procès retentissant, très important ce procès, un procès pour écocide, justement. Donc là, vous avez cette catégorie-là. Ensuite, vous avez une autre catégorie qui est celle des feux saisonniers. C'est-à-dire des feux, on appelle ça aussi des feux dirigés, des feux ou écobuage, ou des feux de surface, ou des feux de faible intensité. Ça, c'est le terme qu'on utilise en anglais. Des feux de faible intensité, qui sont des feux traditionnels, qui sont vraiment très profondément insérés dans des pratiques culturelles, souvent très très anciennes. Par exemple, les aborigènes en Australie pratiquent ce qu'ils appellent la culture du feu et les feux dirigés ou ces feux de faible intensité qu'on allume surtout en hiver depuis quelque chose comme 60 000 ans. Il en va de même des paysans britanniques, par exemple, qui montent au créneau aujourd'hui en disant aux experts, mais laissez-nous faire, nous ça fait des dizaines de milliers d'années qu'on met le feu à la lande quand il faut, au début de l'hiver, quand il y a un certain degré d'humidité, juste pour... d'une certaine façon, éviter l'embroussaillement de la lande, d'une part, et d'autre part aussi pour favoriser la biodiversité. Et puis aussi, maintenant, on le sait, d'ailleurs, il y a un article qui est paru il n'y a pas très longtemps dans le Télégraphe, en fait, même si les paysans ne le savaient pas, mais pour favoriser la transformation des plantes en charbon, ce qui, évidemment... augmente la capacité de la végétation d'emprisonner le carbone. C'est vraiment très très intéressant. En fait, ces feux traditionnels, bon, ça dépend bien sûr, mais ces feux traditionnels, d'une manière générale, on ne peut pas dire qu'ils polluent comme les feux d'aujourd'hui. Ce sont des feux, au contraire, quand ce sont des feux de faible intensité, qui contribuent à la capture, à l'emprisonnement du carbone. Donc, c'est vraiment très très intéressant de le savoir ça aujourd'hui, d'un point de vue écologique. Donc, vous avez, ça c'est des catégories de feux vraiment... complètement différent du feu qu'on connaît aujourd'hui. Après, il y a des feux criminels, bien sûr, mais ça, j'en parle pas. Ça pourrait donner des mauvaises idées, d'une part. Et puis, d'autre part, on est, dans un régime de feu qui n'est ni naturel, ni anthropique, ni artificiel. En tout cas, qui pose des problèmes politiques vraiment... d'un autre ordre. Donc voilà en ce qui concerne ces feux. Et quand j'ai commencé mon travail, mon étude, il y a 2 ans et demi, donc à peu près, justement, je me souviens que la réaction d'un très grand nombre de gens à qui j'en parlais,
C'était de dire, mais c'est bon pour la forêt, les feux. En fait, les feux font partie des équilibres naturels. C'est vrai que c'est triste pour les animaux, c'est triste pour les tortues d'Hermann, par exemple, qu'on connaît en Provence, qui ont toutes disparu, ainsi qu'en Corse. C'est très dommage pour les gens qui ont perdu leur maison, mais bon, il se trouve que les plantes, elles ont besoin du feu pour éclore, elles ont besoin du feu pour, certes, par exemple, les pins voient leurs cônes éclater sous l'effet de la chaleur. Idem pour les eucalyptus, hein, qui sont des plantes qui profitent du feu d'une certaine façon, etc., etc. Donc ça, c'était la Vulgate, si vous voulez. Et cette Vulgate, elle était assez militante d'ailleurs. C'était une Vulgate répandue et qui était un peu ignorante d'elle-même. En particulier, ce qu'elle ignorait, et ça me semble important à rappeler, c'est que ça n'est pas parce que des plantes sont adaptées au feu que les feux sont naturels, d'une certaine façon, ou qu'ils font partie des équilibres naturels. C'est parce que les forêts ont été cultivées, habitées, transformées par l'homme depuis 1,6 million d'années que, d'une certaine façon, les plantes qui subsistent aujourd'hui sont adaptées au feu. Parce que toutes celles qui ne l'étaient pas ont disparu depuis extrêmement longtemps. Donc ça, j'y reviendrai, mais la forêt méditerranéenne, par exemple, est une forêt qui est adaptée certainement pas au feu d'aujourd'hui, mais en tout cas à un certain type de feu dirigé qui, idem pour la Corse, par exemple, c'est toute l'Espagne, le Portugal, la Grèce, etc., à des feux donc qui, d'une certaine façon, font partie de l'entretien de la forêt, contribuent à cet entretien, ainsi que bien d'autres techniques, hein, bien sûr. Il n'y a pas que le brûlage qui disons, accompagne cette présence humaine dans la forêt depuis la nuit des temps. Donc voilà quelle était donc l'opinion. Maintenant, les méga-feux, là je voudrais insister un petit peu là-dessus, ne sont pas du tout de cet ordre-là. Ce sont des feux. Alors, il y a plusieurs manières de les décrire. D'abord, ce sont des feux, si vous voulez, qui durent très longtemps. Il y a une image, moi, qui m'a beaucoup frappée, et qui date d'avant-hier, en fait, qui a été établie par à la fois des scientifiques de la NASA qui dressent un planisphère en temps réel des feux et aussi de la circulation des fumées, ainsi que par des observateurs, des écologues, etc. C'est que les fumées qui ont été générées par les feux en Australie, elles sont parties d'Australie, elles ont été poussées vers le Pacifique, elles ont fait tout le tour de la planète et maintenant elles reviennent à leur point de départ. Et on a vraiment c'est plus qu'une image, ça, c'est une réalité, si vous voulez. C'est-à-dire que les feux, ils sont planétaires. Il y a alors, je ne veux pas vous effrayer, mais il faut quand même prendre conscience que, enfin, peut-être que si, je vais vous effrayer un peu, prendre conscience que, par exemple, justement, il y a des scénarios de la NASA qui envisagent un embrasement de toutes les terres émergées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les foyers, non seulement ils sont très nombreux, mais aussi ils se rapprochent les uns des autres. C'est plutôt ça, c'est ça qui s'est passé en Australie. C'est que des brasiers séparés ont formé un grand brasier. Et quand vous alimentez un feu, si vous voulez, plus vous mettez de matière, plus le feu est intense et moins il est contrôlable, en fait. Et donc c'est ça qui s'est passé en Australie. Donc on a, si vous voulez, voilà, on peut envisager effectivement un feu à l'échelle de la planète maintenant. Et c'est ce qui s'est passé un peu en Sibérie, au niveau du cercle arctique, à un moment. Tout brûlait. C'est-à-dire que toute la forêt boréale était en feu. Vous aviez des feux en Sibérie, vous les aviez en Alaska, au Groenland, vous les avez eus en Suède, vous les avez eus vraiment, mais même voilà, jusque très haut, hein, dans le cercle arctique. Donc c'est vraiment dramatique. Et ça, cette espèce de ceinture de feu là, au niveau de l'Arctique n'a pas du tout été documentée par les médias, parce que, enfin, ou très peu, on en a un peu parlé, bien sûr, parce que le feu, ce n'était pas un problème, si vous voulez. C'est devenu un sujet très récemment. Alors que le problème, il est quand même plus ancien que la conscience qu'on en a, mais enfin, c'est toujours un peu le cas. Donc voilà, on a des feux comme ça à l'échelle de la planète qui génèrent aussi des phénomènes planétaires. Donc c'est la fumée, hein, qui fait tout le tour, puis vous êtes trois petits tours et puis s'en vont. Hein. Alors voilà, c'est assez affolant. Vous avez aussi un allongement de la saison du feu. Ça, c'est dans tous les pays. Mais par exemple, je sais pas, en Provence, la saison du feu, c'était 2 mois, mais aujourd'hui, c'est 6. On a des. Donc ça. Et à l'échelle de la planète, la saison du feu, elle ne s'arrête plus. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les feux, c'est comme une espèce de famille qui n'arrête pas de faire des rejetons un peu monstrueux. Et donc on a, voilà, dès qu'il y a un feu qui s'éteint là, il y en a un autre qui repart là. Donc ça s'arrête plus. En fait, ça s'arrête pas. Et là maintenant, les feux, ils commencent à être au Chili, en Argentine, etc. Ils sont, voilà. Sans compter que ces pays ont été aussi très gravement impactés par les fumées australiennes. Donc ça, c'est déjà un phénomène. C'est planétaire. Si vous voulez, c'est pas du tout le cas des. Par exemple, on a parlé au moment de l'Amazonie, c'était de l'intox pour, enfin, une forme de disons, de disculpation
des grands groupes responsables des feux de forêt en Amazonie et de la politique aussi responsable de cette impunité. On a voulu dire, ben, finalement, voilà, on a tous les yeux rivés sur l'Amazonie, mais au Congo, c'est pareil. Alors, je ne dis pas que les feux au Congo sont tous vraiment très bons pour la planète, certainement pas, mais en tout cas, ça n'avait rien à voir, parce que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est des feux dirigés, justement. Alors, il y en a qui échappent avec le réchauffement, il y en a qui tournent mal, et puis il y a de plus en plus de gens, donc l'impact des brûlages dirigés au Congo, il n'est quand même pas très bon, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Et je crois que c'est vraiment ces distinctions-là, il faut bien les faire, parce que sinon, on ne sait plus de quoi on parle. Donc voilà une première caractéristique de ces méga-feux. Il y a une autre caractéristique qui est vraiment importante, c'est leur intensité. Je ne sais pas si vous avez vu, même, je crois que c'est vers la Penne sur Yvonne, vous avez des feux qui ont brûlé jusqu'à la souche des arbres, des grands pins, si vous voulez. Et si bien qu'il y a dans le sol, il y a des grandes cavités. Donc, après, bah, une fois qu'il n'y a plus rien, les sols se ravinent. Dès qu'il y a de la pluie, il n'y a plus rien. Voilà, alors, malgré, on essaie de faire des fascines pour retenir les sols, mais bon. Donc, les sols, ils sont très vite lessivés. Et puis, il n'y a plus rien qui repousse. Donc, en fait, notre région a été boisée. Maintenant, elle ne l'est plus. Mais les feux, ils sont évidemment pour beaucoup. Les feux, puis l'érosion consécutive aux feux, etc., etc. Donc là, on a un problème, si vous voulez, d'intensité qui est très grand. Par exemple, un bombardier d'eau... tel qu'il est fabriqué aujourd'hui avec la technologie la plus pointue, il est conçu pour éteindre des feux dont l'intensité est de 10 000 kW par mètre. Or, les feux en Australie, c'était 80 000. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est juste hors norme, si vous voulez, l'intensité. Par exemple, les feux dirigés ou les feux de surface ou les feux saisonniers sont des feux qui brûlent... ce qu'on appelle les strates intermédiaires de la végétation, mais qui n'atteignent pas le houppier des grands arbres, enfin le sommet des arbres. Et c'est pour ça que les koalas, ils se réfugient d'ailleurs au sommet des eucalyptus, parce qu'ils ont l'habitude, génétiquement, d'y trouver un vrai refuge. Mais là, ce n'est pas le cas, parce que justement, les feux, ils sont tellement intenses bah, qu'ils atteignent... voilà, on a des flammes de plusieurs dizaines de mètres de haut, là, aujourd'hui. Donc, voilà, c'est vraiment... Et quelque chose, donc... vraiment de catastrophique, de cataclysmique, et vraiment d'une échelle complètement différente de tout ce qu'on peut connaître jusque-là. Même si, alors je voudrais dire encore une chose, c'est vrai que dans le passé, il y a eu des feux hors normes. Il y a eu des feux d'une intensité ravageuse et qui ont été très destructeurs, qui ont tué beaucoup de gens, qui ont détruit beaucoup de maisons, etc., etc. Mais c'était l'exception. Et aujourd'hui, l'exception tend à devenir la règle. Donc, voilà, on est sorti aussi, c'est ce que je disais au début, c'est que ces feux, ça ne s'arrête plus, quoi. Il y en a de plus en plus. Et vous avez des tas de météorologues aujourd'hui, depuis les feux en Australie, en fait. Ce n'était pas le cas au sujet de l'Amazonie, mais au sujet de l'Australie, ça commence, là, il y a plein d'articles qui disent « Attention, cette situation-là, elle n'est pas exceptionnelle. On ne peut plus la considérer comme exceptionnelle. Le méga-feu n'est pas un événement isolé. » C'est un événement auquel il va falloir s'habituer, je ne sais pas. En tout cas, disons qu'il est amené à se répéter très régulièrement hein, et de plus en plus. Donc finalement, la perspective devant nous, c'est plutôt une perspective d'intensification des feux et d'occurrences de plus en plus rapprochées. Donc, il faut savoir quoi faire là, de ce point de vue. Ensuite, il y a encore un élément qui est caractéristique des méga-feux et qui me semble, enfin, qui va avec tout ce que je viens de dire, c'est qu'ils sont vraiment incontrôlables. Alors là, je me situe d'un point de vue plus anthropocentrique, si vous voulez, de notre point de vue, du point de vue de notre technologie, du point de vue de ce que peuvent des soldats du feu, comme on dit, qui est un terme très mal choisi, c'est-à-dire les pompiers, de ce que peuvent... également les forestiers, de ce que peuvent les habitants, etc. De ce point de vue-là, c'est vraiment inextinguible. Une fois que le feu est là, on ne peut que fuir. C'est ce qui est d'ailleurs tous les pompiers qui sont partis en Australie pour donner un coup de main ont essentiellement été utiles pour évacuer les gens, pour les évacuer soit vers l'eau, soit vers des zones non incendiées, etc., etc. Et puis aussi pour leur venir en aide quand ils suffoquent, etc. C'est vraiment l'épreuve de la fumée, c'est cet état de suffocation en général est quelque chose aussi qu'il faut remarquer. Donc, mais par contre, les éteindre, c'est exclu. Et disons, espérer qu'une guerre contre le feu puisse être gagnée, là, c'est vraiment surréaliste et totalement inapproprié. Et on aura beau inventer
une technologie de plus en plus sophistiquée qui va du drone à l'exosquelette en passant par le bombardier, les drones et tout ce que vous voudrez, bah non, ça marche plus. Et ça, tout le monde l'admet aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 mois. Le feu est le plus fort. On ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les éteindre. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on ne peut pas s'adapter. Vous avez toute une vision aujourd'hui un peu optimiste de l'Anthropocène, où on vous dit, bon, il est vrai que l'Anthropocène, alors je vous le rappelle la définition, c'est-à-dire cette période ou cette ère géologique qui serait marquée par l'impact des activités humaines, qui serait tellement important qu'il serait à l'égal finalement d'un phénomène naturel. Eh bien, est une chance pour l'humanité. Hein, c'est une chance parce que finalement, ça va nous permettre de développer la transhumanité, de développer encore plus notre intelligence, notre technique, notre technoscience, ce qui nous permet justement d'amplifier encore plus nos capacités et de découvrir des modalités de maîtrise de la nature encore plus sophistiquées que ce qu'on a fait dans le passé. Et donc, finalement, l'Anthropocène est pensé comme un progrès. Et le maître mot, c'est finalement l'adaptation. Alors, vous avez plusieurs visions. Il y a une vision optimiste, puis il y a une vision adaptative, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que ce n'est pas terrible, tout ça, mais on va s'adapter, parce que de toute façon, il est inscrit, justement, dans le développement, des qualités humaines, des capacités humaines, etc., que, finalement, via l'amplification de nos pouvoirs, on peut, vraiment, découvrir des modes d'adaptation. Ce qui est intéressant avec le feu, c'est que là, on trouve vraiment plus fort que nous. C'est-à-dire qu'une fois que le feu est là, on ne peut vraiment pas s'adapter. Peut-être qu'on peut s'adapter au risque du feu, mais on ne peut pas s'adapter au feu. On peut s'adapter, si vous voulez, à l'augmentation de la température en mettant des climatiseurs. On peut peut-être s'adapter à la hausse du niveau des océans en construisant des digues. Enfin, vous voyez, à des phénomènes relativement progressifs. Mais le feu, non, ça va très très vite. Ça va à toute vitesse. Et une fois encore, voilà, c'est pas un voisin fréquentable, si vous voulez, le feu. On ne peut pas vivre en compagnie des feux. C'est pas en usant de diplomatie qu'on va le raisonner ou l'intégrer en quelque sorte dans notre vivre ensemble. Ça, c'est pas possible. Alors maintenant, je voudrais faire un tout petit point sur quelles sont les causes finalement des mégafeux. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que justement, ces causes, elles, d'une certaine façon, moi j'en ai identifié deux, il y en a beaucoup, hein, mais disons qu'on peut les classer dans deux grands groupes, et deux grands groupes qui relèvent de deux idéologies, qui sont deux idéologies inverses, si vous voulez, deux idéologies contradictoires. La première, c'est l'idéologie de la maîtrise, de la domination de la nature, et l'autre, c'est l'idéologie qu'on appelle préservationniste, à savoir que la nature, elle fait bien les choses, et que l'homme est nécessairement un ennemi de la nature, que sa présence enlaidit la nature. Et que retirer l'homme, il y a eu toutes sortes de discussions à propos justement du parc naturel des Calanques, parce que l'idéologie du parc naturel, c'est aussi de sanctuariser la nature, je vais commencer par ce point, la sanctuariser, la mettre à l'abri de, la protéger de, et donc supprimer la présence, ou la réguler de telle manière que elle ne soit plus que. C'était ça l'idée du parc naturel, qu'elle soit en quelque sorte extérieure à son objet. Et bon, à l'époque, je veux dire, l'idée de parc naturel, ça naît à la fin du 19e siècle aux États-Unis, bizarrement, dans les années même 1860, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est face à la destruction d'un immense troupeau de bisons qu'un peintre qui s'appelle Catlin invente l'idée de parc naturel. Et après, donc cette idée a été relayée par le gouvernement américain avec une vingtaine d'années de retard, et puis après, elle s'est répandue un peu dans le monde. Et l'idée, c'est vraiment de, comment dire, de retirer finalement de la nature toutes les activités transformatrices humaines. Alors, du coup, le parc naturel, c'est une zone d'observation pour la science et c'est une zone de tourisme, mais le loup-tourisme, évidemment, en 1800, c'est-à-dire de loisir, en fait, c'est le terme qu'on utilise. Le tourisme n'était pas du tout, le loisir n'était pas du tout dévastateur comme peut l'être le tourisme aujourd'hui, puisqu'il est massif. Et à l'époque, non, il y avait quelques voyageurs qui partaient avec un petit baluchon et qui suivaient la trace des ours ou des coyotes dans la forêt. Et puis voilà tout. Donc, voilà. Donc, en fait, il fallait, si vous voulez, c'était des zones sanctuarisées, réservé à une, disons, aux animaux, à la nature, à la végétation, mais où l'homme ne pouvait être présent que sur un mode
comment dire, un mode patte blanche, si vous voulez, un mode non interventionniste, non transformateur, en se mettant entre parenthèses, en quelque sorte, dans une petite bulle, sans rien toucher, rien changer, etc. Simplement en percevant ce qui se passe, sans rien modifier. Comme si on pouvait percevoir quoi que ce soit, d'ailleurs, quand on ne produit pas quelque changement que ce soit, sachant qu'en général, ce qu'on observe, c'est plutôt les changements qu'on produit dans notre environnement. Cette idée préservationniste, elle est très présente dans certains courants d'écologie, y compris d'écologie fasciste, hein, ça il faut le dire. Et c'est un courant, je dirais, anti-humaniste, qui n'aime pas l'homme, et qui voit dans l'homme l'ennemi juré de la nature en général, comme si la nature en général était quelque chose, une espèce de catégorie philosophique ou transcendantale ou métaphysique en soi. Et donc, ce à quoi amener cette idéologie, qui n'est pas l'écologie en général, hein, parce qu'il y a toutes sortes d'écologues justement qui militent en faveur, au contraire, d'une présence, dont je parlerai ensuite, humaine dans la nature, ou avec la nature, mais en tout cas, voilà, c'est certainement pas dire que c'est toute l'écologie, pas du tout, du tout, au contraire, mais en tout cas, c'est certains courants écologiques qui sont de droite, ou même d'extrême droite, comme de gauche, qui sont pas, enfin, disons, qui n'ont pas une connotation politique unilatérale, c'est très compliqué, et qui, moi, à mon avis, qui se caractérisent par une forme de misanthropie, en tout cas d'anti-humanisme, voire... qui peut aussi d'ailleurs se traduire par un certain programme d'extermination, hein, de gens de trop, hein, ben ça c'est, voilà, et qui, si vous voulez, se traduit aussi aujourd'hui par une politique, alors là, qui a eu, qui a été actée en quelque sorte un peu dans tous les pays du monde, à savoir l'interdiction des brûlages dirigés. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, alors pour toutes sortes de raisons, là je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ces feux traditionnels dont je vous ai parlé tout à l'heure ont été interdits, d'une part, et d'autre part, les brûlages naturels, si vous voulez, en quelque sorte, ont été aussi, contrôlés dès la première étincelle. On a eu cette politique qui a duré une bonne cinquantaine d'années, depuis les années 1940, 1950, cette politique d'extinction de tous les feux et d'interdiction des feux dirigés de la part des populations autochtones, des populations aborigènes, des populations paysannes aussi. Pareil en Corse. On dit les Corses, ils mettent le feu partout, ils font n'importe quoi, etc. Mais en fait, même si il y a parfois un petit peu de vrai là-dedans, mais le fait est que les Corses ont... aussi une culture du feu. C'est d'ailleurs l'expression culture du feu est une expression corse. Et donc, quand on leur interdit de faire des brûlages qui leur semblent absolument nécessaires pour les équilibres naturels et pour leur équilibre homme-nature, si vous voulez, ils sont juste horrifiés. Ils peuvent avoir le sentiment qu'on les envoie vraiment à la mort, quoi, ou à la destruction. Donc, il y a vraiment un problème là de perception. Et alors, quel est l'effet de l'interdiction des brûlages dirigés? Ben, c'est très simple, c'est que les forêts ne sont pas entretenues. Comme sur le plateau des Mille Vaches, les paysages se referment, comme on dit, la forêt se referme. Quand la forêt se referme, la biodiversité en prend un très gros coup. Les forêts qui se referment, en plus, du fait de la perte de biodiversité, elles se fragilisent. Et par ailleurs, finalement, elles s'encombrent de matière sèche, elles s'encombrent de bois mort. Alors, on sait qu'il faut du bois mort pour que, la régénération de la forêt ait lieu, puisque le bois mort est un lieu, c'est un biotope, quoi. Mais en même temps, quand il y en a trop, comme dans la Drôme en ce moment, suite à la destruction de la forêt de buis par la pyrale, on peut le dire, vous avez, c'est une boîte d'allumettes, quoi, la forêt dans la Drôme aujourd'hui. S'il y a une période prolongée de sécheresse et qu'on n'enlève pas un peu, qu'on n'entretient pas tout ça, ça va partir en fumée, quoi. Et les feux seront incontrôlables. Si vous avez un bon vent, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pas dit, c'est que les feux génèrent du vent aujourd'hui, les méga-feux, j'avais oublié de le dire, mais c'est-à-dire que c'est aussi une caractéristique du méga-feu, c'est qu'il génère son propre climat. Il y a eu pas mal d'articles là sur la question à propos des feux en Australie. Voilà, c'est-à-dire que ce manque d'entretien de la forêt, si vous voulez, la fragilise dans une certaine mesure, et en cas d'étincelle, en cas de sécheresse prolongée, en cas de vent attisé, eh bien finalement, la livre aux flammes. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des tas, comme je l'ai dit à propos
des paysans landais, comme on peut le dire à propos des forestiers corses, comme on peut le dire à propos des aborigènes en Australie, des Indiens en Amazonie, des populations autochtones en Indonésie, etc. Ce qu'ils vous disent, c'est qu'il faut les laisser faire, qu'ils y connaissent quelque chose que les experts, les scientifiques ne connaissent pas. Et donc c'est l'ensemble, non seulement des pratiques de la forêt qui ont été interdites et détruites culturellement par cette politique, mais c'est également l'ensemble des peuples qui pratiquaient justement ces feux traditionnels. C'est-à-dire que il y a une forme de destruction culturelle qui va avec la destruction de la nature, si vous voulez. Bon, ça, c'est évident. Bon, je ne vais pas insister sur ce plan. Ensuite, vous avez une autre série de causes qui est très importante. C'est évidemment qui relève donc de l'idéologie de la domination de la nature. C'est l'idée justement qu'on peut arraisonner la nature, l'idée qu'on peut s'en rendre le maître, voire même qu'on peut substituer les techniques humaines à la nature, comme on l'a cru par exemple au sujet de l'agriculture chimique, l'agriculture dite industrielle, dès les années, je dirais, 1840. Et là, l'idée, c'est que la nature fait pas bien les choses, la nature est imprévisible. Vous lisez, par exemple, Villemorin, c'est vraiment intéressant. J'ai fait un livre qui s'appelle La démocratie au champ. J'ai beaucoup étudié la transformation de l'agriculture paysanne en agriculture industrielle. Et c'est intéressant de voir sur quoi ça repose. C'est les croyances complètement folles, insensées, sur lesquelles repose. Détraqués sur lesquels repose la transformation de l'agriculture paysanne en culture industrielle, en agriculture industrielle. Et le rêve, qui est devenu un cauchemar d'ailleurs, qui sous-tend ce développement-là. Et donc voilà, l'idée, c'est que la nature, elle est mauvaise, elle ne fait pas bien les choses, elle est imprévisible, elle est chaotique, elle vous donne des fruits de tailles différentes et à un rythme qui est impropre à la croissance des populations humaines. Donc on va remplacer tout ça, on va introduire de la régularité, on va introduire de la productivité, et on va introduire du profit dans tout ça. Et là, vous avez vraiment d'ailleurs, cette destruction finalement de l'agriculture paysanne, c'est aussi évidemment accompagné de la destruction des paysans et de la destruction des cultures paysannes. Et cette mainmise, en quelque sorte, sur à la fois le substrat culturel et le substrat agriculturel, en quelque sorte, a été profondément dévastateur. Donc, cette idéologie-là, si vous voulez, elle est extractiviste, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que elle consiste à considérer la nature comme une réserve de ressources pour le développement purement humain et à ponctionner, si vous voulez, cette nature au risque de la faire disparaître, et tant mieux d'ailleurs si on arrive à se passer d'elle, au risque donc d'en détruire toute possibilité d'indépendance, de régénération par elle-même et de renouvellement en quelque sorte. Et cette maîtrise, si vous voulez, se solde évidemment par la démultiplication des activités extractivistes et industrielles qui est responsable de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui est responsable du réchauffement climatique, qui est responsable évidemment des mégafeux. Alors pour toutes sortes de raisons. D'abord, plus il fait chaud, plus la végétation est inflammable, d'une part. C'est ce qui s'est passé en Australie, on a enregistré jusqu'à presque 50 degrés par endroit, dans la partie sud-est qui est en train de brûler, hein, on ne parle pas du désert, là, vraiment du côté de l'État de Victoria ou de Sydney, 50 degrés. Donc plus les températures augmentent, plus la végétation se dessèche, et plus elle se dessèche, plus elle est inflammable. Donc ça, c'est une chose, mais ce n'est pas que ça, c'est que l'augmentation des températures, elle est aussi très favorable à l'invasion de ravageurs, si vous voulez, notamment d'insectes qui viennent d'ailleurs, qui migrent, qui arrivent, et comme la pyrale, qui détruisent la végétation. Il y a à peu près quelque chose comme un pin sur 10 dans la forêt californienne qui a été tué par cette espèce de scarabée profondément ravageur. Et du coup, plus la forêt s'encombre de matières inflammables, de matières sèches, de combustibles, et encore une fois, plus elle brûle. Donc, vous voyez, vous avez des tas de cercles vicieux de ce type. En plus, plus il y a de feu, plus il y a de
d'émissions de gaz à effet de serre. Alors là, c'est aussi, bon, disons, un événement qui n'avait peut-être pas été prévu à l'échelle qui est la sienne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en réalité, il est tout à fait envisageable. Il a été d'ailleurs mesuré à quel point les feux contribuent au réchauffement climatique. Alors, ils y contribuent de beaucoup de manières, mais ils y contribuent par l'émission de méthane, l'émission de gaz carbonique en énorme quantité, mais également de dioxyde de carbone, donc des particules fines qui sont particulièrement néfastes pour la santé des uns et des autres, des vivants en général. Mais par ailleurs, les feux aussi, ils génèrent des pluies de cendres. Et ces pluies de cendres, ça on en a parlé, caramélisent la banquise en quelque sorte, c'est-à-dire vont se déposer via les océans ou directement comme dans les glaciers en Nouvelle-Zélande, vont se déposer sur la glace et du coup contribuent au réchauffement, à la fonte de la glace, puisque quand la glace est couverte de cette particule de suie, si vous voulez, évidemment elle capte les rayons solaires et elle chauffe. Donc elles font. Donc, si vous voulez, on a vraiment un engrenage, quoi, quelque chose d'assez infernal, un cercle vicieux qui s'est mis en place. Et bon, voilà, je ne dis pas qu'on va pas en sortir, mais enfin, en tout cas, pour en sortir, comme le disent les Australiens, ils le disaient jeudi dernier en brandissant des pancartes dans les rues de Sydney, Wake up. Ils disaient, l'Australie, réveille-toi, l'Australie. Voilà. Et je crois qu'il faut effectivement qu'il y a d'abord une veille, hein, comme le font les gens dans le Gard. Là, j'étais allée du côté d'Alès. Les gens vivent dans la terreur des feux. Et bon, pour quand même se rassurer et dormir un peu sur leurs deux oreilles, ils ont organisé des tours de garde. Donc, il y a une vigilance absolument qui s'impose. Et par ailleurs, ben voilà, il y a des choses qu'il faut faire. Et donc, bon, moi, je ne suis pas. Je suis ni climatologue, ni scientifique, ni politologue, etc. Donc, je me situe à un autre niveau, si vous voulez. Mais ce qui m'a semblé, et ce qui me semble de plus en plus vrai d'ailleurs, étant donné l'ensemble des phénomènes qu'on peut observer aujourd'hui, en Australie en particulier, il me semble qu'il faut d'abord sortir d'une attitude spectatrice pour entrer vraiment dans un régime d'action. Alors c'est très compliqué. Je pense qu'il y a un traitement médiatique de l'Australie qui, jusqu'à présent, mais là ça change depuis quelques jours, qui invite, disons, au confort que procure la position de spectateur. Et en particulier, même si c'est vrai que ces adorables petits koalas et ces kangourous et tous ces animaux dont les pattes et le museau sont brûlés vous brisent le cœur, ça c'est vrai. Mais le fait est que mettre l'accent là-dessus, d'une certaine façon, c'est vous donner un spectacle qui, comme le disait déjà Aristote ou Guy Debord, du spectacle en général, provoque comme une espèce de purgation des passions, hein, c'est-à-dire vous purge de la terreur et de la pitié en fait. Et puis une fois que vous avez éprouvé tout ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mobilisateur? Alors, on donne de l'argent, mais c'est compliqué. Voilà. Donc, puis en plus, le koala, c'est un vrai doudou, quoi. Il y a quelque chose du nounours. Enfin, c'est très plaisant. Enfin, encore une fois, moi-même, j'ai regardé énormément de vidéos et je trouve ça. Enfin, je veux dire, ça provoque vraiment une immense émotion. Mais est-ce que cette émotion est mobilisatrice? Voilà. Ça, c'est la question, moi, que je vous pose. Je ne sais pas. Personnellement, j'ai un petit peu un doute et je pense que. Quand on entend, comme je l'ai dit au début, des gens qui témoignent de ce que leur fait le feu, et de ce que. Là, c'est un électrochoc qui fait que soit on est démoralisé pour le restant de ses jours, soit on passe à autre chose. Je veux dire que la vie, comme le disait Bachelard d'ailleurs, une fois que le feu est passé, tout change. Quand le feu est là, tout change. Mais y compris votre manière de vous tenir sur la Terre, y compris votre idée de ce que c'est que l'habitat humain sur la Terre, si vous voulez. Et c'est. Moi, à mon avis, plutôt dans le témoignage, dans la discussion avec des gens victimes des feux ou avec des gens qui ont une pratique des feux, qu'on peut trouver des tremplins d'action, des tremplins qui nous mobilisent en faveur d'une action pour le climat, comme me disent les jeunes aujourd'hui, moi que j'aime beaucoup. Hein. Ils disent, il faut agir pour le climat. Et il faut pénaliser ceux qui n'agissent pas pour le climat. Il faut criminaliser toutes les activités qui. Détraque le climat et en même temps pénaliser tous ceux qui sont coupables d'inaction pour le climat. Et je crois que cette idée d'agir pour le climat, elle est vraiment très très importante aujourd'hui.
Alors, ce que je voudrais faire encore un petit détour, je regarde. 15 heures. Non. Comment? Oui. Oui, enfin, je ne veux pas tenir la, garder la parole trop, trop longtemps, mais la monopoliser en tout cas. Oui, ce qui me semble utile à considérer, c'est que justement cette action pour le climat, elle existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que les gens, les populations dont je parlais tout à l'heure, ont véritablement une présence en faveur, en quelque sorte, sinon du climat, du moins des équilibres naturels, qui est extrêmement ancienne. Ce qu'on sait, c'est que, si vous voulez, si on reste rien que dans le domaine du feu, que les espèces humaines, il y en a eu plusieurs, savent conserver les flammes depuis 1,6 million d'années et allumer le feu. Alors là, depuis moins longtemps, depuis quelque chose comme 300 000 ans, depuis en gros Homo sapiens. Donc voilà, c'est pas l'usage du feu, si vous voulez, pour des questions d'agriculture, pour des questions d'élevage aussi, pour des questions d'entretien de la forêt, pour des questions de débroussaillage, etc. Et vraiment quelque chose qui est extrêmement ancien. Et donc, si vous voulez, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est d'abord, au lieu de penser la nature et l'homme comme des ennemis irréconciliables, soit que l'homme soit le destructeur de la nature, soit que la nature soit destructrice pour l'homme, hein, suivant qu'on se situe dans une alternative, enfin une branche de l'alternative ou l'autre que je vous ai énoncé tout à l'heure. Pour les extractivistes, la nature c'est l'ennemi et on va le dompter. Et pour les naturalistes préservationnistes, c'est l'homme qui est l'ennemi et c'est lui qu'on va dompter. Si vous voulez. Et donc on va le faire taire et l'enlever de la nature. Donc disons, au contraire, je dirais que vous avez vieille comme la nuit des temps aussi, enfin très 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 ancienne et aussi très heuristique, très très touchante et très riche, cette idée d'un partenariat homme-nature. Cette idée de ce que la nature telle que nous la connaissons, la nature telle que nous l'identifions, telle que nous la valorisons, cette nature aussi qui entre dans notre goût esthétique, dans notre sentiment de beauté, voire dans notre sentiment de sublime, cette nature que nous étudions, cette nature qui importe pour nous, cette nature que nous transmettons, cette nature que nous paysageons, que nous cultivons, dont nous mangeons aussi, dont nous vivons, etc. C'est une nature, si vous voulez, qui suppose la présence humaine, qui n'est ni ami ni ennemi, mais qui en tout cas qui est en relation intrinsèque avec l'espèce humaine, comme les sols ont besoin des vers de terre. Vous enlevez les vers de terre des sols, et il n'y a plus de sol, si vous voulez. Alors je ne dis pas que l'homme est... Oui, enfin on va dire, excusez-moi la comparaison, mais l'homme est à la terre humaine, hein, ce que le ver de terre est au sol, si vous voulez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça me semble vraiment important de redécouvrir si elle a été oubliée, parce que ça n'est pas le cas de la plupart des gens qui ont un petit pied dans la nature. Il suffit de faire pousser quelques graines pour comprendre très vite que, voilà, que les choses ne se font pas toutes seules. Donc il est vraiment très, très, il me semble, à la fois très plaisant et très utile de remettre cette idée à l'ordre du jour et de l'opposer systématiquement et même violemment, je dirais, à tous les autres discours, aussi bien au discours préservationniste qu'au discours extractiviste et à toutes les politiques attenantes à ces deux discours. Et donc là, l'idée, c'est comme Adam, si vous voulez. Par exemple, Adam, dans la Genèse, Adam est, nous dit la Bible, enfin Dieu prend Adam, il le met dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Et c'est justement, moi, ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais travaillé sur cette histoire d'agriculture, c'est cette combinaison entre garder et cultiver. Et c'est-à-dire que, en fait, en produisant sa subsistance, Adam va développer son humanité, mais en même temps, il développe les qualités, on va dire, nutritives du jardin, mais en même temps, il le garde. C'est-à-dire qu'en le gardant, il le cultive, il le protège des bêtes sauvages, il le protège des ennemis, il le protège de toutes sortes de maux qui pourraient l'affecter. Il veille en quelque sorte à son renouvellement, mais et en même temps, il produit sa nourriture. Et c'est justement parce qu'il s'empare d'un fruit qu'il n'a pas fait pousser, c'est-à-dire cette pomme-là, cette fameuse pomme, parce qu'il s'en empare qu'il est chassé du jardin, en quelque sorte, qu'il perd le jardin. Je veux dire, c'est vraiment le... Là, cette idée, elle est très forte parce que, je veux dire, l'idée que ce que vous
enfin, en quelque sorte, que vous avez une relation intrinsèque à la culture des fruits que vous faites pousser et qui, en poussant, vous, en quelque sorte, assure votre croissance ou votre subsistance en même temps que le renouvellement des processus naturels, c'est ça, c'est cette idée qui est tellement centrale, si vous voulez, qui est d'ailleurs présente dans toutes les, dans tous les mythes, dans tous les mythes agraires, dans toutes les mythologies, parfois avec un partenariat avec la nature. Alors je vous prends un autre exemple, avec les animaux. C'est un exemple australien, par exemple. Moi j'ai pas mal étudié, il y a pas mal de papiers justement qui sortent sur les aborigènes. Les aborigènes, en fait, ils ont une vraie pratique du feu et ils ont un mode d'entretien du... Le bush australien est consécutif finalement à ces usages humains anthropiques des feux depuis la nuit des temps, depuis, comme je vous l'ai dit, environ 60 000 ans. Et c'est très intéressant parce que ça... De la part, si vous voulez, de enfin, ils ont, dans, alors il y a plusieurs langues aborigènes, mais disons, il y en a une dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais qui, il y a au moins 12 mots pour dire le feu. Hein. De même que les Esquimaux, enfin pardon, les Inuits ont plein de mots pour dire la glace ou la neige. Bon, voilà, donc ils ont vraiment une science du feu. C'est pas juste un savoir-faire, c'est une vraie science. C'est-à-dire, c'est des milliers d'observations pendant des dizaines de milliers d'années qui ont généré une vraie science du feu. Et aujourd'hui, il y a plein de papiers qui... Il y en a eu un, d'ailleurs, dans Le Monde, hier, parce que Le Monde a fait un dossier spécial sur les feux hier. Aujourd'hui, c'est Libé. Enfin bon. Donc, ça y est, c'est devenu un sujet, tant mieux. Donc, il y avait un papier, justement, sur les aborigènes qui, si vous voulez, qui pratiquent le feu pour toutes sortes de raisons, avec toutes sortes de réglages, en quelque sorte, d'une finesse incroyable. Par exemple, d'abord, ils savent exactement... disons, doser le degré d'humidité de la terre pour allumer des feux destinés à atteindre telle ou telle profondeur du sol. Si vous voulez. Il y a des feux, s'ils atteignent telle profondeur, ils détruisent tel type de végétation. S'ils sont à cette profondeur, c'est un autre, etc. etc. Et donc, en fait, ils favorisent la biodiversité en réglant, en quelque sorte, l'intensité et la profondeur des feux. Et bon, voilà, je ne vais pas faire semblant d'y connaître quelque chose, parce que ça n'est pas tout à fait le cas, quoique j'ai commencé à vraiment d'étudier plus à fond toute cette affaire qui est vraiment passionnante. Mais en tout cas, voilà, ils ont donc des feux propices à, par exemple, à la multiplication de ce qu'ils appellent les patates de brousse, qui sont des aliments qu'ils mangent, mais parfois à la pousse de tel ou tel végétal qui attire tel ou tel animal en compagnie desquels ils vivent ou qu'ils chassent, comme les kangourous par exemple, ils sont attirés par tel herbage. De même que d'ailleurs, soit dit en passant, les Indiens américains des grandes plaines, puisque les grandes plaines sont un paysage qui sont issus, qui est issu du feu aussi, des usages anthropiques du feu. Donc ils mettaient le feu pour attirer les bisons dont ils vivaient, en quelque sorte, mais aussi avec lesquels ils vivaient, et qu'ils, qui étaient des animaux semi-sauvages, semi-domestiques, si vous voulez. Donc le feu, une fois le feu passé, poussait un herbage que les bisons appréciaient, ce qui les attirait, etc., etc. Donc vous avez des unités comme ça, symbiotiques, qui sont extrêmement complexes, et qui sont... Bon, même si on peut dire, bon, bah, c'est un peu moche pour les bisons, les kangourous, etc., mais le fait est que c'est des équilibres qui ont perduré pendant des dizaines de milliers d'années. Hein. Même si on sait que l'apparition des hommes ou des espèces humaines sur la planète a évidemment produit un effet un peu destructeur. Il y a des en particulier des très grands animaux qui ont tous disparu, des végétaux qui ont disparu, etc. Donc, on ne peut pas dire que l'impact est nul. Mais enfin, le fait est qu'un équilibre avait été trouvé depuis 60, 80 000 ans, en quelque sorte, voire depuis 200 000 ans. Mais là, voilà, depuis quelques années, ça n'est plus du tout le cas. C'est cet équilibre-là qui est véritablement perdu. Donc... voilà, il y a un autre terme qu'utilisent les Australiens qui m'avait beaucoup frappé, enfin les aborigènes d'Australie, c'est le terme de country cleaning. Et c'est ainsi qu'ils désignent leur activité. Ils parlent de, comment dire, de faire le ménage dans le paysage, en quelque sorte. Et ce ménage, en fait, est une forme d'attention, c'est une forme de partenariat, c'est une forme de coopération, c'est une forme de participation aussi. Mais le but étant que, si vous voulez, ce partenariat aboutisse aussi bien à la conservation de l'espèce qui fait le ménage, à savoir l'espèce humaine, ou le peuple ménager en quelque sorte, et qu'il soit aussi favorable
à ce qu'on pourrait appeler l'indépendance des phénomènes naturels. Et c'est très, j'ai lu beaucoup de textes d'aborigènes, justement, que ce soit des contes ou une philosophie ou des récits. Et donc, en fait, qui parlent toujours de l'importance de maintenir l'intégrité de la nature pour les générations futures. Mais c'est les générations humaines, les générations de kangourous, les générations de tatous, les générations de wallabies, les générations de kakatoès, etc., tous ces animaux. Et donc, en fait, ils ont un devoir de conservation de la nature pour les animaux. Et donc, si vous voulez, ce qui est important ici, c'est de voir comment on peut faire avec la nature et non sans elle, ni contre elle. Et je pense que c'est finalement ce que disent les feux dirigés également, mais c'est ce que dit l'ensemble de nos pratiques, si vous voulez, coopératrices, qui voient justement dans la relation avec la nature une espèce de, comment dire, de partenariat insécable. Donc ça me semble important, et je dirais que, pour terminer, que une fois qu'on a compris ça, du coup, on est peut-être plus à même de renouveler la signification même qu'on attache à la citoyenneté. Parce que je dirais qu'être un citoyen, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen, finalement? Bon, moi, je suis plutôt spécialiste de philosophie politique, donc c'est des questions qui m'intéressent, mais un citoyen, c'est quelqu'un qui contribue justement à la direction des affaires qui le touchent directement. Mais qui y contribue, ça ne veut pas dire qu'il les maîtrise ou qu'il se substitue aux autres. Et ça suppose toujours de faire avec, si vous voulez. La citoyenneté, elle a toujours affaire à l'organisation des conditions du vivre ensemble. Mais dans cet ensemble, justement, on peut mettre beaucoup de choses. Comme on dit aujourd'hui, on peut mettre des humains, des non-humains, on peut mettre des arbres, on peut mettre des plantes, on peut mettre tout ce que vous voulez, on peut mettre la maison. Mais du coup, si vous voulez, on a beaucoup. Je dis que ça renouvelle la conception de la citoyenneté parce que justement, on a beaucoup réservé le citoyen, ou les pratiques qui se rattachent aux citoyens, on les a beaucoup réservés à la discussion publique, au débat, à l'argumentation, à la rhétorique, à la déclaration de principe, à la joute oratoire, à la critique, à la vitupération, à l'indignation, etc., etc., à la critique. Donc, tout ça, évidemment, ça joue un rôle, mais en même temps, ce rôle est partiel. Ce rôle, à la limite, il est nécessaire parce qu'il faut toujours, parce qu'on ne s'entend pas spontanément. Mais finalement, l'essentiel n'est pas là. D'ailleurs, les théoriciens de la démocratie, à son départ, enfin de la démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui, qui date du début du XVIIIe siècle, ces théoriciens-là, je voulais dire, pensaient à la démocratie en termes d'autogouvernement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est gouverner les affaires avec lesquelles on est en relation. Comme le fermier, si vous voulez, ou le paysan indépendant. D'ailleurs, il y avait chez ses pères fondateurs une vision agrarienne de la démocratie. Donc, comme le paysan, comme disait Jefferson, par exemple, le paysan, c'est le citoyen le plus vertueux. Pourquoi c'est le citoyen le plus vertueux? Parce que, justement, il a l'habitude, d'une certaine façon, de développer ce partenariat avec la nature qui nous fait complètement défaut aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne considère pas la nature comme son élève, ou comme son esclave, mais c'est lui l'élève de la nature. Il est l'élève de la nature. Et la nature, d'une certaine façon, elle dit quelque chose, il faut lui obéir. Et si on lui, enfin, lui obéir, en tout cas, voilà. Oui, il y a aussi cette idée. Enfin, en tout cas, il s'agit d'interaction. C'est un va-et-vient. C'est des relations de réciprocité qui sont complexes et qu'on va pouvoir décliner de manière très différente suivant l'activité considérée. Ça peut être évidemment aussi bien l'artisanat, l'agriculture, le travail, la relation aux enfants, l'éducation, la santé, bien sûr, la santé. Je veux dire, on n'a pas une médecine toujours très perméée par cette idée qu'il y a un partenariat à établir avec le patient, si vous voulez. Hein. En général, c'est plutôt un quartier de viande qu'il va falloir soigner très très localement et ponctuellement. Bon, même s'il y a des choses qui changent, si vous voulez. Donc, pareil pour l'élève, hein, il faut. Voilà, on vise telle partie de son cerveau, mais le reste aussi bien. Bon. Donc il y a des compartimentations de ce genre qui sont bien sûr, disons, en rupture par rapport à je dirais, une conception inclusive de la citoyenneté. Et voilà. Et pour terminer, je dirais que c'est à ça qu'invitent les mégafeux. Vraiment à revisiter cette. Enfin,
disons, à revisiter, à reconstruire notre idée de la citoyenneté. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité en ce qui concerne le ménage dans notre environnement ou de notre environnement. Nous devons prendre soin de notre monde commun, si vous voulez. J'ai envie de dire balayer devant sa porte aussi. Hein, ça veut dire ça. Même si tout le monde n'est pas responsable de la situation actuelle à égalité, loin de là, il y a de très gros responsables, il y a des petits responsables, si vous voulez. Mais en tout cas, qu'il s'agisse des Australiens, qu'il s'agisse des Américains, qu'il s'agisse des Brésiliens, je veux dire, ils ont voté. Je veux dire, enfin, il y a aussi cette affaire-là qu'il faut bien considérer, c'est-à-dire que Scott Morrison est peut-être un climato-sceptique. Je pense surtout que c'est quelqu'un qui n'a accordé aucun rôle à la crise écologique. Et d'ailleurs, il a fait campagne contre les écologistes, puisque les travaillistes, et là on est en mai, hein, on était en mai dernier, donc les travaillistes, eux, avaient fait campagne pour le climat. C'était le centre de leur campagne. Pareil pour Bolsonaro, il a été démocratiquement élu. Ils ne sont pas des putschistes, c'est pareil pour Trump. Hein, ils ne sont pas des dictateurs, ces gens-là. Ils ont été, même si nos élections sont ceci et cela, mais le fait est que les gens ont voté pour ces leaders, si vous voulez, cet exécutif-là. Donc, déjà, voilà, je pense que à ce niveau-là, il y a quand même une responsabilité. C'est-à-dire qu'on doit voter pour des gens qui vont placer toutes les questions que j'ai traitées là maintenant, c'est-à-dire toutes les situations qui pourraient éventuellement nous aider à gérer la crise climatique, qui vont placer toutes ces questions-là au centre de toutes les politiques, et pas seulement au centre de la politique du ministère de l'Environnement ou ce que vous voudrez. C'est pas ça, ou du développement durable. Non, c'est aussi bien le logement, la santé, l'éducation, le travail, les transports, tout devrait être aujourd'hui, il me semble, c'est ce que dit l'urgence des méga-feux, tout devrait être retravaillé, repensé à l'aune des dangers qui nous guettent. Et très vite. Et je pense que la fenêtre d'action, elle est suffisamment grande pour que des changements extrêmement significatifs, qui ont d'ailleurs déjà lieu, puissent se produire. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment cette idée de, disons, de mobiliser la citoyenneté au profit d'un partage de ce qu'on appelle les communs aujourd'hui, au profit d'un entretien, d'un prendre soin de notre environnement commun, me semble être vraiment absolument nécessaire. Je vous remercie. Comment vous allez vous impliquer, vous auto-impliquer, plutôt qu'attendre qu'on vous propose. Donc, la conclusion de Joël me faisait penser aux réflexions municipales après l'effondrement des immeubles de la rue de Rennes. Et la municipalité a dit que c'est à cause de la pluie. Donc on passe du feu à la pluie. C'est pareil, si on ne s'empare pas individuellement et collectivement, bien sûr, de toutes ces thématiques, bien demain. Lorsqu'ils viendront me chercher, il n'y aura plus personne pour me défendre. Vas-y. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que je parle à la bonne distance? Oui, c'est bon. J'ai une très mauvaise voix, je m'en excuse. J'ai été extrêmement intéressée par votre conférence, surtout qu'elle venait d'un autre point de vue. Moi, je suis la femme d'un scientifique biologiste marin qui a étudié pendant 50 ans la région et j'ai suivi tout ce qu'il a fait pas à pas et je me suis toujours beaucoup documentée et j'ai beaucoup lu. Et il y a deux points que je pourrais rajouter à ce que vous avez dit. Alors le premier est peut-être de faible importance. Par exemple, mon mari a étudié les grottes sous-marines et j'ai découvert que même sans la moindre intervention humaine, dans des zones qui sont très loin de tout humain, il y a des animaux qui en exterminent d'autres. Donc toutes les disparitions ne sont pas forcément causées par l'homme. Voilà, ça j'avoue que moi je l'ai découvert il y a un certain nombre d'années. Alors la deuxième est infiniment plus importante. Quand au début vous avez dit que vous n'alliez pas faire de politique, bon, je comprends dans quel sens vous le dites. néanmoins, moi j'ai vu à Paris, dans le quartier latin, un film sur
la forêt, la disparition de la forêt variée pour planter des forêts qui vont rapporter le maximum de bois dans le minimum de temps, pour que ça rapporte de l'argent. Et c'est une catastrophe, parce que ces forêts-là brûlent infiniment plus, et quand elles ont brûlé, il n'y a plus rien en dessous. Voilà, ça c'est juste cet aspect. Alors je crois que le film s'appelait La vie des arbres, si je me rappelle bien, et je suis allée dans un cinéma du quartier latin, il y avait par hasard les quatre personnes qui avaient fabriqué le film, qui étaient des amateurs, des bénévoles, et ce film est absolument extraordinaire. Et donc, les gens qui étaient là militaient pour la reconstitution de forêts complexes qui auraient de la biodiversité en dessous, toutes sortes de plantes, d'animaux qui régénéreraient le sol. Et j'ai appris, ce que je ne savais pas du tout, qu'une forêt d'une seule espèce, c'est une catastrophe pour le sol. Quand on l'a coupée, le sol est devenu stérile. Voilà. Oui, oui, mais ça, tout à fait. Oui. Non, alors, effectivement... bon. Bien sûr que l'évolution des espèces est un phénomène, comme le disait Darwin et François Jacob, qui cite Darwin, l'évolution des espèces est un phénomène assez prédateur. C'est un phénomène qui fait qu'il y a beaucoup plus d'espèces qui ont disparu que d'espèces qui existent aujourd'hui. Donc il y a clairement un processus de disparition des espèces. Il y a eu des extinctions. Bon, voilà. Donc là, on est bien d'accord sur ce point. Après, évidemment, la forêt industrielle, ce qu'on appelle aussi le désert boisé ou l'usine à bois, est un des problèmes qui accompagne, je dirais que je mettrais du côté de la domination de la nature, qui mettrait de l'extractivisme, le défrichage massif pour remplacer... la forêt diversifiée par une forêt, disons, rentable, une forêt qui produit une biomasse rapidement et à moindre coût, est effectivement une des causes de fragilisation de la forêt. Tout à fait. Là, c'est très bien documenté, en effet. Et ces forêts sont très fragiles. Je dirais que le premier exemple que je connais de forêt industrielle, en fait, c'est la forêt des Landes, qui est une forêt plantée par Napoléon III, qui s'est soldée par la destruction de la lande telle qu'elle existait à l'époque. Alors, il disait qu'il y avait des marécages, la malaria. Bon, voilà, ça, c'est sûr qu'il devait y en avoir. Mais en même temps, il y avait toute une culture, d'ailleurs, qui était assez dissidente dans les Landes, qui a été détruite en même temps que la forêt landaise, c'est-à-dire les Landais qui marchaient sur des échasses, etc. Donc, voilà, donc c'est la mise au pas de la forêt et la mise au pas de la population qui vivait dans cette forêt, qui a été effectuée, d'ailleurs, sous le terme de colonisation, par Haussmann, d'ailleurs, qui était aux commandes, et Napoléon III, donc, qui était son maître. Donc, on a un exemple très intéressant. C'est pas la peine d'aller très loin pour trouver... Là, aujourd'hui, par exemple, vous avez un plan, si vous voulez, un comment ça s'appelle ? Ouais, un plan d'adaptation au changement climatique. Alors, ça doit être encore un avatar pseudo-scientifique du ministère de l'Environnement qui... d'ailleurs... Ce plan, le deuxième plan d'adaptation au changement climatique, signale que 50% de la France sera exposée au méga-feu en 2050. Donc je ne vois pas très bien de quelle adaptation on parle là. Enfin bon, donc je vous le dis parce que c'est quand même un problème qui n'est pas lointain, qui je pense qu'il faut vraiment considérer aujourd'hui, quand on, y compris dans l'architecture, l'aménagement du territoire, etc., etc. Débroussaillez vos maisons si vous êtes en contact des forêts, ça vaut mieux. Et ce plan justement prévoit pour anticiper le changement climatique. Prévoit le remplacement de la forêt, de vastes portions de la forêt de Fontainebleau par du pin douglas. Donc, ce qui est une monstruosité. Donc, on n'en sort pas, si vous voulez. On n'en sort pas, c'est sûr. Alors, il y a un deuxième exemple qui est particulièrement cruel, qui est quelque chose d'assez affreux. Ça se passe en 1930. Et c'est John Ford qui... Ford, enfin, celui des voitures. C'est Henri, ouais, John, c'est le cinéaste, voilà, donc c'est Henri Ford, voilà. Et là, qui fait incendier 1 million d'hectares de forêt amazonienne, dans une région de l'Amazonie qui est accessible uniquement par un fleuve, pour transformer, enfin, disons, pour remplacer cette forêt primaire par, alors elle n'est pas complètement primaire, parce qu'il y a quand même des Indiens qui vivent là, mais pour la remplacer par une immense plantation d'EVA, destiné à la production du caoutchouc pour ses pneus de voiture. Et là, alors, bon, les EVA, ils vont tous crever parce qu'en fait, ce n'est pas des arbres qui supportent d'être au contact les uns des autres, vu que quand ils sont très rapprochés, ils passent leur maladie.
Et par ailleurs, le sol, enfin, en fait, le sol amazonien, c'est un sol très, très, très peu profond et qui, disons, qui est entretenu par l'humidité. Et le défraîchage de ce million d'hectares a produit le ravinement de ces sols qui sont devenus stériles instantanément. Et donc, tout est mort. Mais, et en même temps, il a construit une ville, en fait, qui était destinée à parquer, parce que c'est le mot qu'il faut dire, parce que ce qu'il a fait aux Indiens, c'est à peu près la même chose que ce qu'il a fait à la forêt. Donc, destinée à parquer les Indiens qui étaient destinés à travailler dans la plantation. Et donc en leur interdisant l'alcool, les femmes, leur nourriture remplacée par du corned beef et des choses de ce genre. Et donc ça m'était une catastrophe absolue. Mais là vous avez, bon c'est une image, mais c'est assez paradigmatique comme exemple parce que, voilà, parce que, enfin il s'est passé très vite ce qui se passe aujourd'hui sur un temps beaucoup plus long. Là ça s'est passé, la forêt elle a pas tenu, tout est mort. Mais les gens sont morts, les arbres sont morts, la forêt est morte. Bon, après, là. Et Ford a failli vraiment couler à cause de cette affaire. Lui, il n'a jamais mis les pieds en Amazonie, mais en tout cas, son affaire a vraiment failli couler. Il a dépensé une somme folle. Et aujourd'hui encore, il y a des artistes qui travaillent là-bas ou des observateurs. Il y a un film en préparation, d'ailleurs, sur Fordlandia. Et voilà, ces bâtiments, ils n'ont jamais servi, mais il y a toute une ville qui, aujourd'hui, est un peu... une ville fantôme, une ville dont il subsiste quelques bâtiments au milieu des lianes et de la forêt qui a repris ses droits. Donc oui, voilà, c'est une vieille histoire, ça, la forêt industrielle. Et y a des accélérations, bien sûr, aujourd'hui. On le voit en Indonésie, c'est ça qui a mis le feu en Indonésie. C'est le remplacement de la forêt par le palmier à huile. Mais c'est monstrueux. C'est Daewoo hein, qui a acheté Sumatra et Bornéo et Java. Et Daewoo remplace la forêt primaire par des plantations de palmiers à huile qui destinent à ses biocarburants et à, disons, bah, voilà, tout l'usage industriel. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme l'agriculture industrielle, hein, d'ailleurs, les forêts industrielles sont destinées à l'industrie. Je veux dire, il faut savoir que l'agriculture industrielle, je le dis en passant parce que c'est pas bien connu, mais... L'agriculture industrielle ne produit que 20% des ressources alimentaires mondiales aujourd'hui. 20%. C'est-à-dire que 80% des ressources alimentaires mondiales, la nourriture, si vous voulez, des gens, je ne parle pas du bétail, mais des gens est apportée par l'agriculture dite traditionnelle et familiale. Donc il ne s'agit pas du tout de nourrir les gens, hein, là, pas du tout. Il s'agit de l'industrie. C'est vraiment et le profit. Donc non, effectivement, la destruction de la forêt pour des... Alors ça peut être le soja hein, aussi, c'est pas que la forêt. Mais la destruction de la forêt pour la biomasse, ou bah, c'est pareil, voilà, qu'on produise du pain douglas pour le matériau de construction, ou Ikea, ou je ne sais quoi, ou qu'on produise du maïs transgénique, c'est pareil. Hein. Le maïs transgénique, il sert, ou même le soja. Ça sert qu'il n'y a que 10% du soja qui est mangé par les gens. Hein. Tout le reste, c'est pour autre chose. Du soja mondial. Hein. Non. Voilà. Oui, je voudrais revenir sur plusieurs choses. Moi, je suis patron d'une boîte qui s'appelle Natural Solutions. Et puis, j'ai aussi une structure qui s'appelle le Donut Infolab. Et on a fait... Donc, revenir sur votre premier point qui était le 5 novembre... On a fait une étude, on a lancé un truc qui s'appelle Balance ton taudis, suite au 5 novembre, et on a fait un hackathon suite au 5 novembre aussi, juste dans la foulée, le hackathon Balance ton taudis. On a étudié les quantités de pluie qui étaient produites juste avant, et donc c'était un phénomène climatique qui est un early warning event, donc un événement précurseur du changement climatique, et qui a touché Marseille, et qui a fait qu'il y a eu potentiellement cet effondrement. Donc on est quand même lié à un changement climatique qui fait qu'il y a eu ce premier effondrement et on aura probablement d'autres quand on écoute les gens du GIEC ici qui nous disent que ces fortes pluies vont probablement être de plus en plus fréquentes. On aura probablement aussi, on sera touché en ville par ces événements climatiques forts. Voilà, ça c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'était une annonce, c'est qu'on va faire un hackathon biodiversité pour le congrès mondial de l'UICN pour essayer de réfléchir à des solutions numériques aux effets du changement climatique. Et la troisième, c'est une question, c'est qu'on est en partenariat avec l'université d'Oujda en ce moment et on essaie de réfléchir à des capteurs connectés pour
arriver à peut-être détecter ou en tout cas réfléchir à des solutions numériques pour détecter des déclenchements de feu qui seraient peut-être des méga-frères ou pas. Mmh. Et là où là, la question est ouverte, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre nos compétences au service de cette problématique, on va dire. C'est très, très ouvert. Je ne sais pas du tout comment le faire, mais voilà. Et oui, mais je pense que de toute façon, se mettre en relation les uns avec les autres, ce qui est intéressant avec le feu, d'ailleurs, dont j'ai pu parler en termes de fait total, c'est que il coche dans toutes les catégories qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on peut étudier du point de vue de la chimie, de la physique, de l'écologie, de la climatologie, mais aussi de la politique, de l'anthropologie, de la sociologie, de la philosophie, etc., etc. Et donc, se mettre en contact les uns avec les autres, moi, ça me semble vraiment important. Après, j'ai pas de... Voilà. C'est-à-dire que, évidemment, nous, on est tous un peu enfermés dans nos disciplines ou dans nos pratiques. Et je dois avouer d'ailleurs que j'ai contacté quand même des organismes de forêt, des forestiers, des centres d'études du feu ou de la forêt quand j'avais commencé mon étude et qu'il n'y a personne qui m'a répondu. Mais oui, parce que d'où tu parles ? Voilà, c'est toujours la question. Mais qu'est-ce que, voilà. En fait, les gens ont un peu aussi une vision compétitive des savoirs. Et voilà, il y a un peu le précaré. Donc cette difficulté qu'on a échangée, aussi provoque une vraie cécité. C'est-à-dire que si un phénomène aussi massif que le feu de forêt n'est pas vu, alors que pourquoi moi je le vois ? Je ne suis pas bien placée pour le voir. Enfin, je veux dire, je ne suis pas une spécialiste du tout, mais c'est aussi peut-être parce que je ne suis pas spécialiste que je vois quelque chose que, du point de vue de la spécialité, on aurait du mal à voir. Donc je crois que la première chose, c'est vraiment effectivement de se parler, de se mettre en relation les uns avec les autres de manière à croiser nos connaissances. Aujourd'hui, il y a des pompiers, des forestiers qui travaillent avec des paysans, qui travaillent avec des... Alors, c'est le cas aujourd'hui, par exemple, des rangers australiens qui sont plutôt aborigènes, donc qui ont encore quand même des savoirs à transmettre, et qui travaillent avec le ministère d'eux. Et... Bon, en fait, l'Australie, c'est un système fédéral, donc vous avez aussi des gouvernements locaux, municipaux, qui ont une latitude d'action plus vaste, et qui mettent en relation des gens qui, justement, ne se parlaient pas. Donc plutôt, donc ça, je crois que c'est important. Après, effectivement, en Provence ou dans les Landes, là, il y a des reportages qui ont afflué ces temps-ci. Disons le développement d'outils qui permettent, comme le fait la NASA d'ailleurs, qui permettent de détecter, disons l'ignition des feux. Dès la première étincelle, presque, ou dès la première flamme, plus exactement, ça me semble être vraiment important pendant la saison du, enfin pendant ce qu'on appelle la saison du feu. Ça ne veut pas dire qu'on va éteindre les feux. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que, disons, éteindre les feux au moment où, systématiquement au moment où ils pourraient se transformer en méga-feu, ça semble être vraiment vital et tout à fait essentiel. Et on a quand même développé en France des tas d'outils qui permettent de le faire. Donc voilà, ça me semble effectivement un savoir-faire à mettre au service de la communauté au sens le plus large du terme. Puis ça intéressera plein de gens. Et ça peut être, par exemple, ça peut être pour être des applis de la part des gens sur leur portable, dire « Ah, là, j'ai vu une fumée », enfin, quelque chose, voilà, une espèce d'état d'alerte général. Mais encore une fois, ça va passer par tout le monde, cette affaire-là. C'est pas juste, on peut pas, comme, je veux dire, la rue est pourrie d'ordures et on dit, mais que font les services publics ? C'est pas possible, ça. C'est ce genre d'attitude qui met le feu, si vous voulez. Et donc, il faut arrêter de mettre des ordures par terre. Faut prendre soin de... Je dis pas qu'il faut aller tout ramasser, mais au moins ne pas entretenir les lieux qui sont des espaces potentiellement communs, me semble être important. Et par exemple, la répartition... de tours de garde, de la vigilance, et aussi quelque chose qui est essentiel. Donc on pourrait très bien effectivement concevoir des outils à la portée de tout le monde pour prévenir. Mais il faut aussi que les pompiers, les services de police vous envoient pas balader à chaque fois que vous les appelez. Enfin, c'est ce problème-là. Donc il y a tout un réglage à faire. Ici en Provence, il y a beaucoup de surveillance de feu dans les collines. Hein, oui, oui. Oui, on surveille. Oui. Ah oui, oui. À surveiller. Ah ben oui, parce que oui. Oui, non, mais oui, mais ça c'est. Ah oui. Quand il y a beaucoup de sécheresse, beaucoup de vent et beaucoup de chaleur, les pompiers disent on a 3 minutes pour intervenir. Et après, il y a un risque que ça parte et qu'on puisse plus. Largement organisé. Il y a encore pas très longtemps, les
quartiers sont déjà positionnés sur des lieux potentiellement... Ah oui, oui, il y a une vraie organisation. Mais qui est plus de la prévention que de la lutte. Ça, c'est... Merci pour la qualité de votre intervention. Si j'ai bien retenu la fin, vous avez dit qu'il y avait deux idéologies absolument centrales pour comprendre le débat autour de l'écologie aujourd'hui, l'idéologie préservationniste et l'idéologie extractiviste, c'est bien ça. Alors vous avez cité Gaston Bachelard, si je ne me trompe pas, vous l'avez cité deux, trois fois. Alors je pense que vous faisiez allusion à son travail sur la connaissance objective, me semble-t-il. Je faisais allusion à son ouvrage qui s'appelle « La psychanalyse du feu ». Ah d'accord, parce qu'il a un bouquin qui est très intéressant, oui. Où il parle précisément de la façon dont on entreprend le régime de l'action. Et il me semble qu'il y a une troisième idéologie que vous avez oubliée, c'est l'idéologie dans laquelle nous sommes actuellement, c'est l'idéologie de l'injonction à l'action. Je veux dire par là que nous sommes dans une sorte de... Gaston Bachelard l'avait très bien vu d'ailleurs, puisqu'il s'était nourri de deux grands psychologues, enfin, un français et un russe d'origine suisse, Raoul Moorg et von Monakoff, qu'on peut retrouver dans La connaissance objective, que j'invite à lire, parce que c'est un livre absolument prodigieux. Et donc la troisième idéologie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est celle dont vous parliez, ou celle dont vous vous réclamiez, qui est celle de l'idéologie de l'action. C'est-à-dire que nous sommes en permanence dans l'injonction à l'action. Ce qu'on voit, l'exemple australien en est l'exemple totémique d'une certaine façon. C'est le symbole de cette idéologie de l'action où on n'est pas dans le régime du spectateur émancipé, pour citer un grand philosophe français, mais nous sommes dans le régime de l'injonction à l'action, ce qu'un grand philosophe, Hamid Alain Badiou, et psychanalyste de surcroît, disait à propos de l'idéologie écologiste de l'action. Il parlait d'idéologie « just do it » et ne pas remettre l'idéologie de l'injonction à faire, à trier ses déchets de façon quotidienne, etc., sans jamais remettre en cause le cadre dans lequel cette idéologie de l'action s'insère. C'est le cadre naturellement néolibéral. La COP21, il me semble bien que c'est financé par des grandes multinationales, etc. Donc, si je prends un exemple politique, vous prenez Yannick Jadot, c'est quelqu'un de très pro-européen, très pour une Europe supranationale, etc., etc., mais intimement convaincu qu'il faut passer par l'écologie, etc., etc. Et vous citiez l'exemple également des travaillistes anglais qui ont été balayés par Boris Johnson. Eux aussi s'insèrent dans ce cadre-là. Donc je veux dire par là qu'il n'y a pas uniquement deux idéologies qui s'affrontent, mais il y en a une qui est plus sournoise, qui est plus diffuse, mais qui est tout aussi doucereuse ou dangereuse, qui est l'idéologie de l'action. Je veux dire, Louis Althusser, dans les années 70, publiait un article, au milieu des années 70, publiait un article sur l'idéologie et l'appareil idéologique d'État, dans les années, au mi-temps des années 70. Et Étienne Balibar a fait une réinterprétation écologique de ça. Il disait que nous sommes aujourd'hui dans un processus de culpabilisation permanent, individuel, vis-à-vis de la question écologique, et pas uniquement vis-à-vis de la question sociale et économique. Les chômeurs sont culpabilisés du chômage, et sans regarder le caractère structurel ou métastructurel des causes, c'est-à-dire les responsables politiques, les choix économiques et les choix macroéconomiques surtout. Voilà, merci. En fait, je pense que si vous n'agissez pas, vous mourrez. Donc l'action, il y a action et action. L'action est une composante de la vie. Et maintenant, évidemment,
Je ne parle pas de praxis, quoique on pourrait parler de praxis, hein, tout simplement, puisque vous avez l'air de citer cette raison. Mais je ne veux pas rentrer dans des discussions philosophiques trop spécialisées. Simplement, je pense qu'effectivement, disons que le problème n'est pas l'injonction à l'action aujourd'hui. Le problème, c'est l'impuissance. Le problème, c'est que le fait que les gens voudraient faire quelque chose et ne savent pas quoi faire. Le problème, c'est le fait qu'il existe aujourd'hui quantité de mécanismes qui non seulement empêchent les gens d'agir, mais par ailleurs, même s'ils agissent, transforment leur action en agitation, c'est-à-dire privent leur action, leur capacité d'agir, de toute capacité transformatrice. Donc c'est ça le problème. Donc moi, j'essaie de réfléchir aux conditions auxquelles une action, d'une part, serait désirée et d'autre part, serait suivie des conséquences transformatrices du monde et de l'idéologie qui empêchent l'action. Et donc voilà pourquoi j'ai fait tout ce travail. Maintenant, je pense qu'effectivement, l'injonction à l'action en soi n'est pas d'une grande utilité. Ce qui est important, c'est de pointer aussi toutes les conditions auxquelles l'action devient efficace. Voilà. Bon, c'est une réponse un peu rapide, mais... Oui, juste un mot, là, vous avez parlé des conditions démocratiques dans lesquelles Bolsonaro a été élu. Moi, j'ai des enfants brésiliens. Je peux vous dire que tout a été préparé. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des pièges qui ont été tendus et la démocratie, elle est tombée dans le piège. C'est-à-dire l'électeur, il est tombé dans le piège, il a voté Bolsonaro. Mais en amont, il y a eu tout un travail et je dirais que, pour faire simple, Lula est tombé dans le piège de Petrobras. Et après ça, donc c'est une pseudo-démocratie. Parce que la vraie démocratie, moi j'y crois beaucoup, et ce que vous avez dit à un moment est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que le peuple, les gens qui font la démocratie, ils peuvent agir dans leur comportement, et en particulier agir vis-à-vis de certains pays voyous. Bien sûr. Et par rapport à ça, nous voyons Monsieur Trump qui n'hésite absolument pas à empêcher nos industriels de faire du commerce avec certains pays. Et puis ensuite, lui qui ne boit pas de vin, il dit que le vin californien est meilleur que le vin français. Bon. Donc ce faisant, il agit en tant que président de la République. La démocratie, elle, nous, en tant que consommateurs, on devrait agir dans nos modes de consommation et aussi dans nos comportements quotidiens. Oui. Mais on a un pouvoir, on ne l'exerce pas. Oui. Facebook ne fait pas ça. Il fait même le contraire. Après, je pense que chacun est libre des moyens. Ça fait partie de l'action que de sélectionner ses moyens et ses fins. La démocratie... Oui. Qu'on pourrait utiliser, on ne l'utilise pas. Mais vous l'avez. Oui, non, mais effectivement, voilà. Moi, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'on est, on a une conscience trop faible de la puissance qu'elle a d'autres. C'est vrai que, ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance, qui n'est pas une volonté de pouvoir, hein, cette volonté de puissance, elle a un rôle à jouer aujourd'hui. Elle a vraiment un rôle à jouer. Il me semble, mais de fait, il est vrai que la démocratie est truquée ou qu'on peut la juger truquée, mais il est vrai aussi que nous laissons faire ce trucage. Donc, on le sait depuis au moins la Boétie ou Machiavel, il y a toujours un consentement. Je veux dire, un régime politique ne peut pas se maintenir bien longtemps sans une forme d'assentiment, de consentement, d'accompagnement, au moins de l'opinion majoritaire. Il y a une forme de servitude volontaire dans tout régime oppressif, y compris dans ces formes très détériorées de la démocratie. Bon, en tout cas, le cas australien, il est vraiment un peu épouvantable, parce que les gens, comme le disait cet Australien, ils ont choisi leur porte-monnaie plutôt que les arguments écologiques. Parce qu'ils étaient, ils ont été sensibles au fait que le charbon, c'est la richesse de la nation. Bref, donc il y a effectivement des choix à faire. Et je pense que c'est important d'être d'être conscient du pouvoir qu'on a, la puissance. Je vous en prie. Ouais. Bonjour, merci pour votre conférence. On avait eu toutes les portes d'entrée que pouvait amener le thème de l'écologie. Vous avez parlé de transversalité.
Je voulais savoir si vous étiez intéressé par la question, justement, on a beaucoup prononcé le mot nature, et c'est un mot, on voit, qui est, notamment par les anthropologues aujourd'hui, un peu remis en cause sur ce qu'il signifie dans l'histoire. Par exemple, vous parliez des aborigènes qui ont 12 mots pour feu, mais ils n'ont sûrement pas le mot de nature dans leur vocabulaire. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous questionne par rapport à ça? Est-ce que c'est un concept opérant aujourd'hui, le mot nature, nous, tel qu'on le conçoit? Et puis, j'en profite sur le micro pour placer rapidement une deuxième question. Vous parliez de l'heure des communs, qui va sûrement être une des grandes questions de l'écologie. Est-ce que le fait que le marché de l'eau soit privatisé en Australie a joué sur la crise? Est-ce que ça a eu lieu? Est-ce qu'il y a eu des problèmes ou est-ce que ça l'a aggravé ou... Voilà. Oui, tout à fait, oui. Ah ben, l'eau, oui, elle est vendue aux cotonniers chinois, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Il y a toute une rivière de 3000 km qui a été asséchée. Donc effectivement, non, ça produit des déséquilibres. Des équilibres majeurs. Non, c'est quelque chose qui est... Enfin, aussi bien la privatisation de l'eau, du marché de l'eau, que le droit à polluer l'eau sont vraiment des écocides aujourd'hui. On peut vraiment les mettre dans la catégorie des écocides. Et d'ailleurs, les juristes qui s'occupent là vraiment de la création de la catégorie d'écocides ont dans leur ligne de mire en priorité la question de l'eau aujourd'hui. Ça, c'est certain. Je veux dire, quand même, on évalue à 3 à 4 milliards de gens, enfin 3 à 4 milliards le nombre de gens qui n'auront plus accès à l'eau potable ou qui risquent de manquer d'un accès à l'eau potable à partir de, enfin, d'ici une trentaine d'années ou une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années. Donc oui, non, ça c'est vraiment très très grave, effectivement. Et donc, bon, voilà pour l'eau, mais après pour la nature, en fait le terme que moi j'ai beaucoup utilisé auparavant, disons plutôt en philosophie sociale ou politique, c'était le terme d'environnement. Parce que, voilà, j'ai un peu une spécialité dans le pragmatisme, qui est un courant philosophique américain, et le pragmatisme, justement, est une philosophie environnementale. Et le mot environnement, d'ailleurs, chez les auteurs pragmatistes, notamment chez John Dewey, c'est un mot qui vient de Darwin, en fait. Darwin est pas du tout, Darwin n'est pas Spencer, enfin, Darwin n'a pas accouché du concept de lutte des plus aptes et de compétition pour la vie et des choses comme ça qui ont été certainement pas dans le registre anthropologique. Mais clairement, l'évolution suppose un environnement. Il va refaçonner la notion d'environnement. L'environnement, c'est l'ensemble des propriétés qui entrent dans la composition d'un vivant et en même temps, un vivant en développant en quelque sorte ses capacités, transforme son environnement. Donc en fait, l'environnement et l'organisme sont comme le recto et le verso d'une feuille, si vous voulez. C'est ça la notion d'environnement. Alors après, maintenant, j'utilise celle de nature parce que c'est... D'abord, vous avez Catherine Larère, qui est une grande philosophe de la nature, qui a donné plein d'explications, de justifications, qui me semblent très pertinentes sur la conservation de cette notion de nature. Mais évidemment, il faudrait préciser ce dont on parle. Et il ne s'agit certainement pas de la nature incréée, de la nature comme origine, ni de la nature comme authenticité, ni de la nature comme pureté, ni de la nature comme, disons, comme entité métaphysique, hein, c'est pas la, ou comme ayant une antériorité chronologique. Enfin, voilà, il y a plein de noms. J'aime bien même le sens grec de nature est très très intéressant, la nature d'une chose, la nature, voilà, c'est un peu, je crois que la nature d'une chose, c'est peut-être un terme qui pourrait nous intéresser ici. Bon, enfin bon, en tout cas, j'ai utilisé le terme de nature justement pour être un peu en phase avec, avec les gens, avec un plus grand nombre de gens que si on parle juste d'environnement, parce que c'est un terme aussi très très piégé, etc., etc. Mais clairement, on pourrait dire nature naturante, nature naturée. Voilà. Il y a plein de déclinaisons qu'on pourrait faire. Voilà. Enfin, je pense que moi, la nature cultivée est une notion que j'aime bien et qui est très équivalente à celle de paysage, en fait. Mais le paysage, c'est peut-être un peu réducteur parce que, alors, il y a un autre piège qui est lié au mot paysage et dans lequel il ne faut pas tomber, c'est la réduction esthétique de la notion de paysage.
C'est-à-dire, on a tendance à concevoir le paysage comme une espèce de tableau qui est placé devant nos yeux, et donc de ne pas voir en quoi le paysage nous constitue de l'intérieur. Et donc, c'est d'ailleurs ce que révèle l'épreuve du feu. Enfin, c'est ça que j'avais bien éprouvé. C'est que ça fait vraiment partie de vous. C'est pas seulement un cadre d'action, c'est un horizon dans lequel ou grâce auquel vous pouvez vous projeter et qui permet d'organiser votre existence, en fait. Donc, c'est très, très intérieur, le paysage. C'est pas du tout un spectacle devant lequel on est placé et qu'on construit. En plus, il y a un constructivisme du paysage. Il y a l'idée que, finalement, c'est une invention des peintres. Vous aviez toute cette thématique de l'invention du paysage, comme s'il n'y avait aucune variable objective dans le paysage. Et je crois que c'est toujours les deux, quoi. C'est objectif et subjectif à la fois. Donc, voilà pourquoi j'ai gardé le mot nature. Mais bon, voilà, je vois bien que c'est un mot un peu compliqué. Bonsoir. S'il vous plaît, je vous demande de me pardonner pour me mettre debout, je suis handicapé. Non, je vous en prie. Mais je suis de l'Afrique du Nord. Vous avez parlé de l'Amazonie, de l'Australie, c'est un plus pour moi. Mais je parle de l'Afrique du Nord, dû à au climat qu'on était chez nous, c'est trop chaud, surtout en été. Il y a des feux provoqués par des verres de bouteilles, voilà. C'est pas criminel, c'est naturel. Et je trouve que c'est... Ils ravagent des hectares et des hectares de terre. Et voilà, ma question, comment que ça se fait avec la chaleur et les verres? Les verres, ça donne des feux de forêt. Mais quand on arrive, c'est ça le problème du changement climatique. C'est que finalement, que quand toutes les conditions mauvaises sont réunies... La forêt, c'est une boîte d'allumettes, quoi. C'est ça, ça se transforme en brasier dès la première étincelle. Vous avez des feux qui ont été déclenchés par des étincelles générées par le passage des trains sur les rails. C'est pas juste les mégots, maintenant, c'est pire que ça, mais c'est ce dessèchement avec des chaleurs infernales, du vent, qu'est-ce que... Donc, en fait, ce qui est intéressant avec le méga-feu, c'est que, je crois qu'il faut le noter, c'est que c'est un phénomène qui frappe les pays les plus riches, les plus, voilà, ceux qui se croyaient à l'abri en quelque sorte. Mais que, et justement, par exemple, l'Europe du Nord, l'Europe méditerranéenne du Nord, elle brûle plus que l'Europe méditerranéenne du Sud, en réalité. Vous avez plus de feux en Grèce, au Portugal, en France, en Corse, en Espagne. Et en tout cas, ils sont plus dévastateurs qu'en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en fait. Donc ça, c'est intéressant de le remarquer. Je veux dire, la Californie, c'est l'État le plus riche et le plus technologique du monde. Et c'est l'État qui brûle, si vous voulez. Bon, après, il y a des pays pauvres aussi qui brûlent. Hein. Bon, ça, Mais l'Indonésie, c'est très particulier parce que c'est vraiment le remplacement. C'est le défrichage qui est vraiment à l'origine de ces feux. C'est pas du tout des feux traditionnels. Et d'ailleurs, partout où il y a des défrichages massifs, comme par Daewoo en Indonésie, il y a... abandon de la forêt, c'est-à-dire que les paysans sont expropriés, on les enlève. Mais partout, il y a de la présence, il y a plus de surveillance, et il y a plus de coupe-feu, voire de feux qui sont allumés pour... Voilà. Donc, en fait, je crois que, bah, évidemment, les tessons de verre, peut-être qu'ils peuvent allumer des feux. Mais s'il y a des gens pas trop loin pour les remarquer assez vite, c'est un peu ça la solution, quoi. Oui, c'est ça. Un verre d'eau aussi, c'est juste la première flamme. Mais... Et ouais, c'est ça. En 1980, j'avais organisé ce qu'on avait appelé la course à l'arbre, qui était une opération de sensibilisation justement à propos des incendies de forêt. Nous avions fait des expérimentations avec des pompiers, nous avions essayé d'allumer des feux avec des tessons de bouteilles, mais aussi avec des allumettes. Et force était de constater que la plupart de ces feux ne partaient pas où ils partaient. Non, ça on le sait, oui. C'était lié spontanément. En fait, pour que ces incendies dits accidentels, dus aux mégots de cigarettes, aux tessons de fer, ou aux tessons de bouteilles, il faut
réunis à ce moment-là que ça arrive de manière exceptionnelle. C'est pour ça, par exemple, en Australie, il y a eu justement des climato-sceptiques, en quelque sorte, c'est-à-dire des gens qui pensent que le détraquage du climat n'y est pour rien dans tous ces feux. Ils ont dit que c'était des feux criminels, en fait. Ils ont dit que c'était... On a entendu ça. Alors, mais en fait, un feu... Là, il y a des études qui sont faites, mais un feu criminel en Australie, dans le bush australien, à la limite, il peut brûler 5 hectares de bush, mais pas 10 millions. Vous voyez, ça n'a rien à voir. En fait... Vous avez tous expérimenté la difficulté que nous avons... À faire partie un feu, oui. Oui. Voilà, c'est quand même... oui. Ça ne s'allume pas comme ça. Mais par contre, quand toutes les bonnes conditions voilà, qui génèrent ces méga-feux sont réunies, bah alors là, par contre, ça va très vite. Très, très, très vite. Il y a très peu de temps pour agir. Excusez-moi, je voulais revenir sur le paradoxe de nos comportements, là, parce que vous avez parlé du consentement, plus ou moins, quoi, parce que il y a une prise de conscience, on ne peut pas le nier, puisque bon, on parle aujourd'hui d'urgence climatique, et paradoxalement, dans les plus grandes démocraties, je prendrais que la plus importante démocratie américaine, où on a élu de manière totalement raisonnée un bonhomme comme Trump, et qu'il y a de fortes probabilités qui rejoue un deuxième mandat. Oui. Donc quelque part, on est aussi coupable et enfin responsable et coupable de ce déchaînement. Et en même temps, il y a une prise de conscience. Alors comment on peut comprendre et expliquer nos comportements, puisque un peu partout, on a élu des hommes politiques de manière démocratique, en sachant pertinemment qu'ils ne sont pas pour une réflexion sur le changement climatique, mais au contraire, tout ce qui peut apporter un plus sur l'économie, aux États-Unis, la fraction pour les gaz de schiste. Donc on les a élus et on continue à les élire, en sachant pertinemment que ce n'est pas eux qui vont prendre les mesures drastiques pour arriver à un changement. Alors, comment vous expliquez nos comportements? Parce que nous sommes responsables aussi. Eh oui. Ben oui, mais tout le problème est là. Mais en fait, quand on dit « nous » et « on est un peu dans l'abstraction. En réalité, il y a des minorités, il y a des majorités, il y a des groupes très, très variés. Je crois qu'il faudrait rentrer dans les détails. Aux États-Unis, au Canada... ça m'a beaucoup frappé récemment, le nombre de climato-sceptiques est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Comment ? Ah oui, il y en a vraiment beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez ces véhicules, comment ça s'appelle ? SUV, là ? Ouais. SUV, ouais. Plus grosse vente de voitures, là. Un bond en avant incroyable. Et partout où on va, on les voit. Bon, alors, voilà, je pense que... D'ailleurs, il y avait un commentateur de Paradise, parce que là, il y a eu des espèces de commémorations, et il mettait l'accent sur le fait qu'on voyait tous ces pauvres gens qui fuyaient l'incendie, qui entassaient dans leur SUV le peu d'affaires qu'ils pouvaient sauver, et avant de s'enfuir le plus vite possible. Mais voilà, cette situation-là, elle est très, très problématique, si vous voulez. Il y a une inconséquence vraiment très forte que les jeunes qui protestent contre l'inaction pour le climat, pointent, mettent très bien en avant. Quand ils disent « mais vous nous sacrifiez, là !» Je veux dire, vous sacrifiez les générations futures, mais ils ont raison. Je pense qu'il y a cet aspect-là. Alors, est-ce que c'est dans la nature humaine ? Encore un usage bizarre du mot nature, mais je ne sais pas, moi. Et effectivement, il y a une forme d'inconséquence, de paradoxe très, très fort. Alors je dis, il y a vraiment des climato-sceptiques qui forment des groupes politiques virulents, et d'autre part, il y a vraiment des clivages politiques majeurs, mais il y a aussi à l'intérieur de chacun, de beaucoup de personnes, des contradictions majeures. Et effectivement, la plupart des gens, comme disait Spinoza, ils voient le meilleur et font le pire. Bon, voilà, c'est ça. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas un. Je veux dire, on n'a pas une identité insécable, on est divisé, torturé, on est compliqué, comme disait Freud, on a des instincts de vie et des instincts de mort. Donc, y a un truc de jouissance immédiate qui est hors du temps, et puis après, il y a la prise en compte
des générations futures et même de son propre futur. Et là, c'est une autre instance psychique qui doit se mettre en route. Donc, comment organiser tout ça ou le réorganiser de manière à ce que la pulsion de vie soit plus forte que la pulsion de mort, d'une certaine façon. Il y a quelque chose de cet ordre. C'est très compliqué. Moi, je n'ai pas de réponse, mais de fait, je crois que le fait de s'associer avec des gens, des choses qu'on ne ferait pas pour soi-même, on peut le faire pour autrui peut-être plus facilement. C'était peut-être ça un peu la leçon des koalas aussi. D'un coup, on se sentait à l'unisson avec cette nature qui nous semblait très extérieure et dont on n'avait rien à faire. Parce que ça nous ramène à notre enfance, ça nous ramène à, encore une fois, au doudou, ça nous ramène à ce qu'on... Enfin, je veux dire aussi à la sollicitude qu'on peut avoir pour la nature. Et ça fait du bien, ce genre de choses. C'est réparateur, c'est cicatrisant. Ça donne du sens aussi à la vie. On a fait quelque chose d'utile, voilà. Donc, je pense que c'est... Cette fibre psychologique-là, elle peut être aussi à double tranchant. Elle peut être utile aussi. Mais le fait de faire quelque chose pour les gens, plus que pour soi-même, à la limite... peut-être le biais par lequel on pourrait passer pour raviver la conscience ou pour réveiller une conscience. En fait, il y a un déni de réalité face à l'urgence. Il y a un déni, tout à fait, c'est un déni. Face à l'urgence, parce que la notion d'urgence, elle est prégnante actuellement. On n'arrête pas de nous dire urgence. Oui, enfin, en même temps, je pense qu'il y a une urgence relative, c'est-à-dire qu'il nous a fallu une bonne trentaine d'années pour en arriver là. Donc, c'est vraiment comme depuis 30 ans que les activités sont particulièrement destructrices. Mais je pense qu'on a quand même une fenêtre de 30 ans d'un temps égal pour réagir et transformer les choses. Donc, je crois que les choses vont même assez vite. Il y a beaucoup justement d'entreprises, enfin d'initiatives locales qui changent vraiment la donne sur le terrain. Et des tas de gens qui inventent des manières d'être ensemble, de faire ensemble, qui sont réparateurs, justement, et qui peuvent donner vraiment de l'espoir. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment des changements aussi qu'il faut prendre en considération, ne pas être collapsologue, quoi, voilà. Parce qu'on ne peut pas... moi, je ne suis pas du tout... je trouve que les arguments collapsologiques sont vraiment très, très toxiques, très faux, en plus. Enfin, logiquement. Donc voilà, il ne faut pas non plus désespérer, dire c'est fichu et on n'y arrivera pas. Non, je crois qu'il y a vraiment effectivement des choses à faire. Mais peut-être que voilà, qu'une forme de responsabilisation quant à l'autre, comme un enfant, quand il fait pousser une graine, je reviens à mes métaphores agricoles, et quand il fait pousser une graine, il va développer comme une... C'est pour ça que Maria Montessori avait mis un jardin pédagogique dans la cour de son école, d'ailleurs. Mais il développe une espèce de sollicitude. Alors, ça ne vient pas tout de suite. Au départ, il est impatient, il arrache la graine pour voir si elle pousse, et puis en l'arrachant, il la tue. Bon. Mais très vite, il comprend que la plante, elle a son rythme et qu'il ne faut pas précipiter les choses. Et voilà, il a une vraie sollicitude pour ce petit être qui fait pousser et qui n'aurait pas pour lui, pas pour lui-même, en fait. Donc, je crois qu'il y a dans cette relation-là, une forme d'éducation et de considération. J'ai assez de la considération pour le monde qui nous entoure, qui est vite acquise, en fait. Il ne s'agit pas de chercher midi à 14h, ce n'est pas compliqué. C'est pour ça que la végétalisation des rues joue un rôle social et éducatif majeur, je trouve. Dès que les gens... mettre des bagues devant leur porte sur le trottoir, ils ont une vision complètement différente de la rue. C'est plus la même, à leurs yeux. D'un coup, la rue, elle existe. Elle est là. Ils y tiennent. Et voilà, ils attendent de vous que vous la respectiez aussi. Même si, avant qu'elle soit végétalisée, elle était pourrie par les habitants même. Voilà, donc vraiment, c'est ce genre de déclic, moi, qui me semble très important. Et en même temps, on n'a pas du tout habitué à être encouragé dans notre éducation à opérer ce déclic. Tout nous décourage de le faire, en fait. L'adjoint à la propreté voulait taxer les habitants marseillais qui posaient des bagues de végétaux devant leur porte. Ben voyons, c'est super. Alors, ça. Elle est revenue dessus depuis.
Ouais. C'était son intention première, mais tout simplement parce que ces actions se sont spontanément répandues dans les quartiers populaires. Il y en avait plein à la Belle de Mai, il y en avait plein à la Fête. Oui, c'est ça. Et c'était dans la rue Paradis, vous ne voyez jamais ça. Ah ben non, non. Et donc elle voulait empêcher cet élan citoyen de dire la rue est à nous. Elle est pour nous et ouais, elle est avec nous. Ouais. Oui. Et je m'en occupe. Et je m'en occupe. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire à propos de la végétalisation. Je vais parfois vers le théâtre de l'œuvre, juste derrière ici, et j'ai été étonnée de voir des bacs. Il y a beaucoup moins d'ordures. Il y a des bacs et on a planté de la menthe, du persil, etc. Et les gens ne l'ont pas du tout ravagé. Les gens qui viennent, ils en prennent un peu. On les invite à cueillir. C'est vraiment magnifique. Je voulais dire tout à l'heure à propos de SUV, je suis tombée par hasard sur la chaîne Chérie parce que je voulais regarder La Couleur Pourpre. J'ai été horrifiée par la publicité sur les SUV urbains. Urbains, 400 km d'autonomie. Si ça, ce n'est pas une contradiction en termes, comment on ose faire de la publicité pour ça? Ah ben non, mais il y en a même massivement. Voilà. Hein. Non, c'est massif. Le défi du patron de TF1, c'est de vendre de l'esprit disponible à Coca-Cola. Voilà. C'est une catastrophe. Et pourquoi nos stations de métro sont des invitations à consommer n'importe quelle cochonnerie et même pour les jeunes à jouer à des jeux de hasard dont je ne sais pas le nom, gratter ou je ne sais quoi, ça devrait être interdit d'inciter des gens non, mais on peut pas à jouer. Non, enfin, je pense que l'interdiction n'est pas le meilleur moyen. Je pense qu'il faut, ça devrait il être faut que le plaisir et le désir des gens puissent se loger... dans d'autres objets. Ça devrait, enfin, à mon avis, c'était autrefois beaucoup plus un endroit qui faisait la pub pour les musées, pour les conférences, qui créait du vivre ensemble, alors que là, ça crée de la frustration. Je ne suis pas pour la publicité, mais enfin bon, on ne peut pas... Voilà. Je ne pense pas que l'interdiction change les mentalités, ça engendre des crispations. Donc, si on est vraiment ici en train de se dire comment se parler pour qu'on puisse faire des choses ensemble et que... on puisse partager le monde à venir avec nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Voilà, je crois que... Voilà, on peut se poser... Qu'est-ce que nos grands-parents ont laissé faire François Ier, chassé à Cours, sur l'île du Frioul? Si cette île est aujourd'hui complètement pelée, ben c'est parce qu'il y a... Enfin, les Marseillais ont eu besoin de bois de chauffage et aussi de construire des bateaux. Merci pour votre participation. Merci à vous. Merci. Merci à Casar de nous recevoir aussi dans ce beau bâtiment. Je vous rappelle que nous nous retrouvons, si vous le voulez, lundi à la Casar Consola, ou dans 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 la Casar Consola.